Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 soyez bénis dans le puissant et le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous pouvez partager massivement le direct, mettre des likes, partager. Ce soir, c'est mardi, c'est notre moment de témoignage. Mais ce soir, nous allons faire quelque chose de particulier. Préparez vos témoignages, si vous avez des témoignages, préparez le numéro. Le numéro, c'est le 06 19 98 68 95. Je demande aux administrateurs de marquer le numéro en témoignage, en commentaire du moins, de l'épingler et pour que les gens puissent le voir et appeler. Alors, ce soir, je voulais faire un peu différemment. Je vais donner une petite exhortation concernant le témoignage. Je vais donner une petite clé vite fait. Et lorsque je vais finir, celui qui a un témoignage, il va le rendre. Nous allons aussi prier un peu ensemble avant de nous quitter. Si nous pouvons faire un effort pour finir très vite, c'est-à-dire que si vous avez un témoignage, n'attendez pas la dernière minute. J'aimerais qu'on puisse prendre au moins une seule heure en ce moment. J'aimerais qu'on puisse prendre une seule heure. Voilà. J'aimerais qu'on puisse prendre une seule heure pour ce moment de témoignage. Est-ce que je peux avoir une musique instrumentale? Ok. Ok, que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais prendre un passage dans Luc chapitre 8. Nous allons commencer aussitôt. Seigneur, bénis ce moment par ta grâce. Bénis-nous. Que ton Esprit Saint nous environne. Et que ce moment soit rempli de ta grâce, de ta clarté. Et que, Seigneur, tous les témoignages qui vont sortir, soit pour ta gloire, soit, Seigneur, pour l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers frères et sœurs, je voulais juste toucher un petit point dans Luc. Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8. Nous allons lire, en fait, un petit verset dans Luc chapitre 8,
Normalement, c'est à partir du verset 40 jusqu'au verset 49, si vous voulez. Mais nous allons plutôt lire quelques versets dans ce passage parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et je voulais toucher ce petit verset-là pour pouvoir exhorter, pour pouvoir encourager et expliquer quelque chose. Je vais révéler un petit mystère. Alors, partagez le direct, protégez-le, likez, partagez, protégez, likez. C'est tout ce qu'on vous demande. Je ne l'ai pas fait sur YouTube ce soir. Je suis directement sur Facebook. Alors, tous ceux qui veulent aller sur YouTube, venez sur Facebook, partagez le direct, likez, partagez, partagez, partagez. Parce que, vraiment, c'est une habitude de venir sur mes directs et de ne pas partager, de ne pas liker. Sincèrement, vous avez cette habitude. Parce que depuis longtemps que je suis avec vous, que je fais les directs, il y a des gens, s'ils ont partagé, c'est un partage, c'est deux partages. Mais sur les directs d'injures, sur les directs politiques, sur les directs de palabres, ils vont partager 1000 partages, 100 partages, 2000 partages. Ils vont envoyer sur YouTube, ils vont envoyer partout, par Messenger. Mais quand c'est des directs comme ça là, pour édifier, pour bénir, ils viennent, ils font un partage, ils font deux partages, ou bien même ils ne partagent pas, ils sont là, ils écoutent. Je vais vous dire, c'est un péché. Je vous dis directement, c'est un péché. Ça s'appelle hypocrisie. Ça s'appelle hypocrisie. Voilà. Ça s'appelle méchanceté. Parce que tu es là, quelqu'un est en train de te bénir, tu écoutes, tu es exaucé, tu es libéré. Ça t'édifie. On te demande seulement de prendre ton téléphone, de partager. Ça, là, on va insister là-dessus 1000 fois, 100 000 fois. Et quand je finis le direct, et que je regarde, comment dire, oh, sois béni, Ostase. Ça, c'est mon frère musulman. Sois béni. Quand je regarde après les partages des directs, je vois que 100 partages, 200 partages. Moi, je ne vais pas aller payer Facebook pour qu'il augmente mes vues. Je ne vais pas payer Facebook pour qu'il augmente mes vues. C'est vous qui suivez les directs là. Vous devrez partager, vous devrez liker. Ce n'est pas à moi d'aller voir Facebook pour dire Facebook, voilà, je te donne de l'argent, il faut augmenter mes vues. Voilà, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. Je préfère insister un peu là-dessus, parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Quand ça ne va pas, je dis ce que j'ai à dire. Celui qui aime, il prend. Celui qui n'aime pas, il ne prend pas. Voilà, c'est comme ça. On ne peut pas venir sur le direct de quelqu'un. Tout le temps, on est édifié, on est béni. Et à chaque fois, la personne va chanter, partager, partager, partager. Normalement, ça doit être automatique. Dès que vous êtes sur le direct, vous devez partager. Vous devez partager. Vous pouvez partager sur YouTube, sur Messenger, sur WhatsApp. Parce qu'il y a des gens qui aiment recevoir, mais ils n'aiment pas donner. Il y a des gens qui aiment qu'on les donne tous les jours, qu'on les donne. On les nourrisse, on les donne. Mais à leur tour, là, pour donner, là, c'est un problème. Ça, c'est la méchanceté. C'est l'hypocrisie et la méchanceté. Donc, tous ceux qui viennent sur mes directs, vous êtes édifié, vous êtes béni, vous recevez, mais vous ne partagez pas. Vous ne faites pas un effort pour partager dans vos groupes, par Messenger, sur WhatsApp. C'est un péché, c'est l'hypocrisie. C'est même de la sorcellerie. Voilà. Je vous le dis, c'est même de la sorcellerie. C'est-à-dire que vous faites semblant d'être avec moi alors que vous êtes contre moi. C'est l'hypocrisie, de la méchanceté, de la sorcellerie. C'est même du vol. Je vous dis ça aujourd'hui. Voilà, parce qu'on ne fait pas ça à quelqu'un. Quand tu vas quelque part, tu reçois, tu es toujours édifié. Tu as ton doigt sur ton téléphone. On te dit liker, c'est un problème. On te dit partager, c'est un problème. Pourtant, tu es béni, tu es édifié. Ça te fait du mal. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si vous continuez, je vais arrêter les directs. Voilà, moi je ne suis pas bouffon de quelqu'un. Si vous continuez, je vais arrêter les directs. Et puis chacun chez lui, chacun vit sa vie. On ne me paye pas pour faire les directs. Donc là, je vous dis sincèrement aujourd'hui, ce côté-là, il faut le régler quand vous venez sur mes directs. Il faut régler ce côté de partage-là. Quand vous venez sur mes directs, il faut régler ce côté de like. Parce que si vous ne pouvez pas le faire, ça ne sert à rien que je vienne m'asseoir ici. Ça ne sert à rien que je prenne ma douche, je m'habille, je prie, je me prépare pour venir vous donner quelque chose. Je ne suis pas votre bouffon. Voilà. Je ne suis pas votre bouffon. Ce n'est pas marqué bouffon ici.
Donc il faut comprendre ce que je vous dis là. Ça va bien rentrer. Parce que vous continuez, un jour vous ne me verrez même plus à faire direct. Je fais mes vidéos, je fais mes montages, je mets sur YouTube. Et puis ça s'arrête là. Je ne suis pas obligé de m'asseoir pour faire direct. Donc protégez les directs, likez les directs, partagez. Arrêtez votre sorcellerie là. C'est vous qui tuez les gens. Arrêtez. C'est vous qui tuez les gens qui vous donnent à manger. C'est vous qui tuez les gens qui vous font du bien. C'est vous qui tuez les gens qui se sacrifient pour vous. Arrêtez votre sorcellerie là. Arrêtez ça sur moi. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Je ne suis pas fâché. Hein? Je parle tranquillement. Je ne suis même pas fâché même. Il n'y a pas colère. C'est juste la vérité que je dis. Je ne suis même pas fâché. C'est ma voix qui est forte. C'est tout. C'est-à-dire, je suis même pas. Il n'y a pas de colère. Hein? Pourquoi il va me fâcher? Il va me fâcher pourquoi? Si elle veut, j'éteins mon téléphone, je vais m'asseoir. Est-ce qu'il y a besoin de me fâcher pour ça? Je ne suis pas fâché. Mais à un certain moment, il faut dire la vérité aux gens. Les mêmes personnes là, il faut aller les voir sur le direct de Mamayeur, ils vont partager. Sur le direct où ça clash, ils vont partager. Sur le direct où ça insulte, ils vont partager. Sur le direct où on est en train de guinzer, on est en train d'insulter les gens, ça partage. Quand je fais un direct et que c'est un direct pour la politique, ils viennent, ils partagent. Quand je fais un direct et que c'est un direct où ils vont voir que les gens s'insultent ou tout ça, ça partage. Mais quand tu fais un direct pour les édifier, pour prier pour eux, pour les apporter la parole, ils viennent s'asseoir confortablement, leur téléphone est devant eux, ils ne peuvent pas mettre leurs doigts pour partager. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? On vous dit faites offrande, vous ne faites pas. Payez dîme, vous ne payez pas. Partagez, vous ne partagez pas. Likez, vous ne likez pas. Vous êtes qui? Et puis toujours on va vous donner. Et puis vous ne donnez rien aux gens. Vous êtes qui? Et puis toujours on se sacrifie pour vous. Mais vous ne pouvez pas vous sacrifier pour les gens. Arrêtez ça. C'est la sorcellerie. Vous croyez que quoi? Je viens, je prends ma douche, je me parfume, je m'habille propre. Je viens, mais vous savez que quand j'ai fini là, ça va à la machine pour laver. Chaque jour, on s'assoit, on vous donne, mais faites un effort. Faites un effort. Est-ce qu'on a besoin de vous dire de partager? On s'assoit 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Aucun partage, aucune vue. On dit likez, il touche comme ça. Il touche. Pourtant, il veut être édifié. C'est de la sorcellerie. C'est ceux qui font ça. Vous êtes sorciers, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Ceux qui font ça là, vous êtes des sorciers, vous êtes vaincus. Même si je prie pour vous là, que Dieu ne réponde pas. Je ne veux pas ça, c'est pas bon. Vous êtes des sorciers. Vous faites semblant d'aimer les gens, vous ne les aimez pas. Vous faites semblant de soutenir les gens, vous ne les soutenez pas. Vous faites semblant d'accompagner les gens, vous ne les accompagnez pas. Les gens se sacrifient du matin au soir pour vous. C'est vous qui venez prendre couteau pour les égorger. Votre sorcellerie là, c'est vaincu. Ça ne tombera pas sur moi. Moi, je ne suis pas obligé de gaspiller mon énergie pour vous. Si ça ne va pas, je fais mes montages, mes vidéos. Je m'assois, je mets ma caméra. Je ne fais pas direct, je filme. Je fais mes montages sur mon MacBook. Je finis, je mets sur mon YouTube. Celui qui veut, il va regarder. Celui qui veut, il ne va pas regarder. Mais m'asseoir là, pour transpirer pour vous là. Mettez des quais. Partagez. Mettez des quais. Quand c'est le direct d'injure, vous venez vous partager. Votre sorcellerie là est vaincue ce soir au nom de Jésus. Voilà. Elle est finie. Et vous là, quand on ne dit pas la vérité, vous croyez que les gens sont bêtes. Je ne suis pas fâché, hein. Je vous dis la vérité, c'est tout. Ok, prenez notre Bible. Dans Luc chapitre 8, les vrais enfants de Dieu. Prenez notre Bible dans Luc chapitre 8. Et puis, je fais une parenthèse. On dit direct de témoignage. Ceux qui ne rendent pas témoignage, pendant les directs de témoignage, et vous venez me fatiguer sur WhatsApp avec vos témoignages. Papa, quand j'ai bu l'eau, Dieu a fait ça. Papa, quand tu avais prié là, j'ai tremblé. Ma maison était en feu. Des audios longs comme ça là. Sur mon WhatsApp là. Arrêtez ça. Ceux qui ne rendent pas témoignage et puis qui viennent sur WhatsApp pour me pomper avec plein d'audios de témoignages là, je vais commencer à vous bloquer un à un. Voilà. Parce que vous là, vous n'êtes pas bon. On dit direct de témoignage, c'est ici qu'on vous attend. C'est ici. On veut voir ce que Dieu a fait pour vous. Venez rendre témoignage. Rendez témoignage. Tu rends ton témoignage, les gens acclament Dieu, les gens bénissent Dieu. Ce n'est pas sur mon WhatsApp, tu m'envoies tes témoignages longs. Je n'ai pas besoin de ça. Point. Voilà, c'est comme ça.
Je préfère vous dire ça comme ça. Tout à l'heure, je commence le direct. Il y a une personne qui me persécute depuis longtemps avec sujet de prière. Pourtant, je vous ai dit, j'étais en retard déjà. Si vous voyez, je réagis comme ça, c'est parce que les gens commencent à me fatiguer. C'est-à-dire que je dis des choses, mais ils font comme s'ils n'entendent pas. Je dis à tout le monde, si tu veux me contacter, tu as un sujet de prière. Il faut appeler la secrétaire. J'ai un direct. Tu ne me suis pas. Tu n'as pas mon programme de direct. Je suis déjà en retard de 6 minutes. Et puis tu m'appelles. Je te réponds exprès pour te dire que je commence un direct. La personne va dire, oh, papa, non, c'est parce que, oh, papa, c'est si, papa, je suis en train de souffrir. Papa, c'est toi seul qui souffre dans la vie ou quoi? C'est toi seul qui souffre dans la vie, tu es mort. Ta foi est où? Ta bouche là, tu ne peux pas prendre pour prier un peu? Tu ne peux pas prendre ta bouche pour prier un peu? Tu ne peux pas avoir la foi? On te dit, appelle la secrétaire. Tu appelles la secrétaire? Tu lui expliques, si c'est trop urgent, la secrétaire va m'appeler. Si elle m'appelle, moi-même je vais te rappeler. Mais je suis là. On te dit on a un direct. Tu veux quand même obligatoirement expliquer ton problème. Pourtant, on cherche au front, on ne te voit pas. Pourtant, on a des besoins, on dit la chaîne de télé, on ne te voit pas. Pourtant, on fait des dépenses, on ne te voit pas. Donc, à un certain moment, il faut respecter les gens. Quand quelqu'un est simple, quand quelqu'un est bon, ça ne veut pas dire qu'il est con. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. Il faut que ça rentre bien dans vos oreilles. Je suis gentil, je suis ouvert, je suis simple, mais je ne suis pas con. Donc, quand quelqu'un s'assoit, est-ce que ton docteur, tu l'appelles à n'importe quelle heure? Même quand tu es en train de mourir, tu appelles ton docteur, ton médecin traitant à n'importe quelle heure? On te dit, tu as un problème, contacte la secrétaire. Dans la semaine, elle m'a envoyé un message audio. Après, elle m'a envoyé encore un autre message. Après, elle m'a envoyé un autre message. Mais tout ce temps que tu as pris pour m'envoyer des messages dans la semaine, pourquoi tu n'as pas appelé la secrétaire? Aujourd'hui, j'ai eu seulement 2 rendez-vous. J'aurais même pu te prendre aujourd'hui, prier pour toi. Mais il fallait appeler la secrétaire. Mais non. Il y a des gens qui se croient tout à fait. Ils se croient tout à fait, je ne sais pas quoi. Ils peuvent briser toutes les règles. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est eux seuls qui ont problème. C'est eux seuls qui sont importants. Non. On dit, on passe par la secrétaire. Appelle la secrétaire. Pourquoi tu veux forcer? Tu vas forcer pourquoi? Il ne faut pas forcer. On ne force pas. Il y a un principe, il y a des règles, il faut les suivre. Dieu même est ordonné. Restons ordonnés, c'est pas compliqué. Je ne comprends pas des gens. Et puis, ils t'appellent que quand ils ont problème. Ils t'appellent jamais quand ça va chez eux. Ils t'appellent pas quand ils ont l'argent pour te donner aussi. Mais oh papa, j'ai mal au pied aujourd'hui, je ne peux pas me lever. Oh papa, j'ai tellement. J'ai dit, oh, je ne suis pas Dieu. Si tu veux, il faut mourir. Non, excusez-moi. Je ne suis pas Dieu. Je n'ai pas créé l'homme. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu. J'ai mes problèmes aussi, je prie pour ça. J'ai mes épreuves, je prie pour ça. J'ai mes combats, je prie pour ça. Il y a quoi? Il y a quoi? On vous donne des consignes. Tu as un problème, appelle la secrétaire. Appelez-la. Aujourd'hui, c'est un jour de témoignage. Tu ne viens pas rendre témoignage. Tu es là, tu fais tout ce que tu veux. Après, tu vas laisser audio sur WhatsApp. Tu penses que je n'ai rien à faire, j'ai passé mon temps à écouter vos audios de témoignage, ça m'apporte quoi? Moi-même, je sais que Dieu travaille déjà. Moi-même, je sais quelle onction j'ai. Tu penses que je m'assois et puis écoute tes audios et puis je suis en transe. On dit que c'est ici qu'il faut rendre témoignage pour aider les gens. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est tout. Qu'est-ce qui est compliqué? Aujourd'hui, là, je vous dis la vérité un peu. Avant que vous compreniez certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de laisser aller. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui croient qu'ils m'ont acheté, ils m'ont payé. Je dois m'asseoir toujours pour faire obligatoire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui croient que c'est eux qui m'ont donné la peine. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui croient que je suis le plus con de tous les pasteurs. Ils vont déposer des millions, des milliards chez des mamayages, chez des voleurs. Ils vont acheter des huiles avec du pétrole dedans, des sang humain dedans. Ils vont dans des endroits pour dépenser, pour faire des... On les escroque. Ils finissent de se promener partout.
on finit de les épuiser. Quand ils viennent que tu as ouvert, tu es seul pour les recevoir, ils te prennent pour un con. Ils n'ont même pas 50 euros pour te donner et c'est eux qui viennent t'embrouiller du matin au soir. Même ceux qui te donnent 1000 euros, 2000 euros, ceux qui te font même des offrandes, tout ça, ils ne te fatiguent pas. C'est ceux qui te donnent rien. Ceux qui ont, s'ils ont trop donné ces 50 euros là, ou bien 10 euros, 20 euros là, c'est eux qui chaque jour vont te fatiguer, on dirait que tu n'as pas de vie. En tout cas, j'espère que c'est rentré dans vos oreilles. Sinon, je vais bloquer certains numéros. Et si ça continue, je vais vous laisser en vacances pendant 2 mois, 3 mois. Je ne fais pas direct sur Facebook. Je fais mes directs, je dépose sur YouTube. Celui qui aime mon affaire, celui qui croit en moi, il va sur YouTube et puis il regarde. Point. Et je m'occupe de ma famille et de mon ministère et j'avance. J'espère que c'est rentré. Ne mettez pas de cœur. Même si vous êtes fâché, ne mettez pas de cœur. Si ça me, si elle veut même tout de suite, je coupe le direct et puis elle m'assoit. Je n'ai même pas encore mangé. Elle m'assoit, elle me déshabille, elle m'assoit à table, je mange. Ne mettez pas que restez là. Je vous fais ça un jour et puis vous allez comprendre. Allez, bref. Ça, c'était les parenthèses pour régler certains problèmes. Ne m'appelez pas à la veille de mon direct. Ça dit que je suis en retard ou bien il est 21h, il est 20h59, 27h58 ou bien même 20h30. Je commence mon direct, je m'apprête. Ne m'appelle plus. Si tu ne suis pas, tu n'es pas abonné à ma page, tu n'es pas obligé de regarder mes directs. Sinon, il faut connaître mes programmes. Il faut savoir, j'ai annoncé qu'il y a direct à 21h. Si tu me suis, tu vas savoir qu'il y a direct à 21h. Donc, tu ne peux pas m'appeler à 21h06 pour me donner sujet de prière. C'est une foutaise. C'est des foutaises, j'aime pas ça. Respectez-moi et j'ai respecté mon Dieu aussi. Voilà. Préparez vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Un Africain est trop bizarre. Quand tu lui dis pas les choses d'une certaine manière, il comprend pas. C'est pourquoi on n'évolue pas. Alors, Luc chapitre 8. C'est l'histoire de la femme qui perdait le sang. La Bible dit que cette femme perdait le sang. Je vais être très bref parce que j'ai déjà trop parlé. Cette femme perdait le sang. Et ce qui s'est passé, c'est que cette femme s'est dit en elle-même, je sais que si je vais toucher le bout de son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit si je vais toucher tout son vêtement, si je touche son corps. Elle n'a pas dit si je vais l'embrasser. Elle dit, je vais essayer de toucher le bout de son vêtement. Je sais que si je touche, je serai guéri. Mais ce n'est pas ce message que je vais prêcher. Quand la femme a touché Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Qui m'a touché? Entre vous et moi, quand Jésus a dit, qui m'a touché? La femme n'était pas obligée de dire c'est moi. La femme n'était pas obligée de raconter sa vie. Parce que c'est une honte de dire aux gens je perdais du sang. C'est une honte de dire aux gens depuis 12 ans je perdais du sang. Pour une femme c'est une honte. Et il y a un public, il y a du monde. Cette femme pouvait se cacher. Elle pouvait dire non, je ne vais pas exposer ma vie. Elle pouvait dire non, ça là. Quand, après, je vais m'approcher doucement de lui. Et puis, je vais lui dire que c'est moi. C'est comme certaines personnes. On dit, il y a direct des témoignages. Il dit non, je ne vais pas appeler pour qu'on entende ma voix. Parce que si on entend ma voix, donc je, c'est pourquoi j'ai préféré, quand tu as fini là, de t'envoyer un audio. Non, parce qu'il y a des gens qui me connaissent. S'il y a des gens qui entendent ma voix, ils vont savoir que c'est moi. Je n'aime pas trop m'exposer. Mais Jésus dit, qui m'a touché? Et il y avait une foule de personnes. Il y avait une foule. C'est une honte pour une femme de perdre du sang. En plus, pendant 12 ans, la femme pouvait se cacher pour dire non, je ne vais pas m'exposer. Mais la Bible dit que la femme a dit c'est moi qui t'ai touché. Et elle a expliqué son problème.
Elle a dit, depuis 12 ans, je perdais du sang. Et voici, j'ai pris la décision de venir toucher le bout de ton vêtement. Et voici ce que je me suis dit. Je me suis dit que si je touche le bout de ton vêtement, je serai guéri. Donc la femme va rendre témoignage de sa guérison. Regardez, quand la femme a rendu témoignage de sa guérison, Jésus dit, ma fille, le verset 48, Luc chapitre 8, verset 48, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Voici le mystère du témoignage. Au début, elle a été guérie. Au début, elle a reçu que la guérison. Mais quand elle a rendu le témoignage, Jésus lui dit, ta foi que tu as eue là pour me toucher, ta foi que tu as eue là pour rendre témoignage en public, cette foi-là, ça t'a sauvé. Va, tu es non seulement guéri, mais aujourd'hui même là, tu es sauvé. Oh my God. My God, my God, my God. Les 10 lépreux qui ont été guéris, il y a un qui est retourné en arrière. Il est venu rendre témoignage. Quand il a rendu aussi témoignage, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé, ton comportement t'a sauvé, ton témoignage t'a sauvé. Donc, Dieu peut agir pour toi, mais Dieu laisse le reste en réserve. Il attend que tu rendes d'abord témoignage afin qu'il puisse te donner le reste de ce qu'il a prévu. Hein? Oh my God. Il attend que tu rendes témoignage parce que le témoignage, c'est une adoration. Le témoignage, c'est une louange à Dieu. Et la Bible dit que Dieu siège dans l'adoration. Quand tu rends témoignage, tu es en train de magnifier Dieu. Tu es en train de remercier Dieu. Le témoignage est comme une offrande. Le témoignage est une action de grâce. Tu vas dans une église. Ils ont prié. Tu as été délivré. Mais tu n'es jamais retourné dans ce lieu pour dire, je suis venu ici la dernière fois quand vous avez prié. J'avais une situation débloquée, une situation bloquée qui s'est débloquée. Tu es resté chez toi, tu as dépensé l'argent, tu as mangé, tu étais content. Parce que tu t'es dit dans ta tête, si je vais rendre témoignage, ils vont me dire de faire offrande. Maintenant, tu as des problèmes durs dans ta vie et tu ne sais plus comment faire. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils sont ingrats avec Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ne savent pas rendre témoignage. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils pensent que Dieu est pauvre. Et que Dieu a toujours besoin d'eux pour avoir l'argent. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui enrichissent Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui enrichissent les serviteurs de Dieu. Oh, my God. Il y a des gens qui gardent leur témoignage. Quand on fait les directs de prière, il y a des gens qui reçoivent l'onction chez eux. Il y a des gens qui sont délivrés. Normalement, quand on dit direct de témoignage comme ça, il devrait y avoir tellement de personnes qu'on refuse même des gens. On leur dit non, ça sera mardi prochain. Mais tu vas voir, pour appeler même pour rendre témoignage, c'est un problème. Pourtant, ils ont été édifiés. Pourtant, ils ont reçu quelque chose. Mais ils ne veulent pas appeler. Non, si j'appelle, après c'est pour dire, il faut faire ça. Il faut envoyer ceci, il faut faire comme ça. Il y a des faux, il y a des bons. Et puis, offrande là, ce n'est pas obligé. Même quand on te dit de faire offrande là, on n'a pas mis pistolet sur ta tête, on n'a pas mis corde à ton cou. Tu es libre. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. La Bible dit que celui qui donne, donne avec joie. Selon qu'il a résolu dans son cœur. On ne t'a pas obligé. Si tu as rendu témoignage, qu'on t'a dit de faire offrande, que tu ne veux pas faire, tu restes chez toi. Mais au moins, tu sais que tu as rendu témoignage. Offrande, c'est en toi et Dieu.
Si tu es convaincu que tu sèmes, tu vas récolter, c'est entre toi et Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu as peur qu'on te dise de faire offrande ou qu'on te dise de poser une action, que tu es caché chez toi. Dieu t'a délivré, tu as été guéri, tu as été libéré. On dit témoignage, on ne te voit pas. Pourtant, tu sais que Dieu a agi dans ta vie. Quand Pierre et Jean ont fait lever le paralytique, l'église a grandi un coup. Vous savez pourquoi? Parce que le paralytique était collé à Pierre et Jean. Le paralytique était un témoignage vivant de leur ministère. Le paralytique était à côté d'eux. Les gens savaient que ce monsieur ne se levait pas. Les gens savaient que ce monsieur ne marchait pas. Et les gens le voyaient arrêté à côté de Pierre et de Jean. À côté de Pierre et de Jean. Et c'est là que les gens se sont dit, mais attends, est-ce que c'est le même monsieur qui est là? Et l'église a grandi. Tu vas un pasteur prier pour toi. Tu as eu un miracle. Mais tu ne peux pas rendre témoignage. C'est que tu es un sorcier. Tu es en train de détruire le ministère du pasteur. Rendez témoignage de ce que Dieu fait pour vous. Rendez témoignage des miracles qui s'opèrent dans vos vies. Rendez témoignage de l'onction qui a touché votre vie. La femme qui perdait le sang n'était pas obligée de rendre son témoignage en public. Il y a même des gens qui disent, à l'église là, il y a des sorciers maintenant, oh. Faut pas, je vais rendre mon témoignage, ils vont faire sorcellerie sur ma vie, oh. Donc toi qui es chrétien, tu es enfant de Dieu, et puis tu as peur des sorciers, pour cela tu ne peux pas rendre témoignage pour rendre gloire à ton Dieu. Mais c'est quel Dieu tu pries au fait? Tu adores quel Dieu? Ton Dieu c'est lequel? Non, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des sorciers dans l'église. Ça là, les témoignages, on ne sait jamais. Je vais rendre mon témoignage, après c'est pour gâter tout dans ma vie là. Donc moi-même je préfère me taire. C'est pas le sorcier qui est dans l'église, c'est toi-même qui es sorcier. C'est toi-même qui es sorcière. Oui, parce que Dieu a fait pour toi. Il a fait quelque chose dans cette église. Et les gens ont prié pour toi. Et les gens ont envie de savoir si leur prière a été exaucée. Ils ont prié pour toi, tu es parti en Europe. Tu ne peux même pas appeler le pasteur pour dire, pasteur, ta prière a été exaucée, je suis en Europe. Parce que tu crois que le pasteur va bouffer tout ton argent. Tu étais malade, ils ont prié pour toi. Ou bien tu étais célibataire, ils ont prié, tu es marié. Tu crois que le pasteur va aller prendre l'argent de ton mari. Trop de méchanceté, de calculs bizarres dans l'église. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et n'oubliez pas en vérité. Dieu fait des choses pour vous, vous ne rendez pas témoignage. Vous gardez le témoignage n'est pas pour vous. Je vous donne un mystère. Ne gardez jamais ce qui n'est pas à vous. Je vous donne un mystère. Ne gardez jamais ce qui n'est pas à vous. La dîme, ce n'est pas à toi. Ne garde pas chez toi à la maison. Ne le prends pas pour toi. Il y a des offrandes que tu devrais faire. Tu as changé d'avis. Tu as pris l'argent, tu as mangé. Tu as fait ce que tu voulais. Tu as mis problème sur ta vie. Il y a des vœux que tu as fait à Dieu pour une prière. Dieu t'a exaucé. Tu as reçu la réponse. Au lieu de prendre la part de Dieu pour lui donner, tu as pris la part de Dieu pour régler un problème. Quand on te parle, tu dis, j'envoie ma cousine. Quand on te parle, tu dis, non, je m'en annonçais un décès. Quand on te parle, on dit, j'ai mon frère qui a été hospitalisé. Mais tu as fait un vœu à Dieu. C'est pour Dieu. C'est la même chose avec le témoignage.
Le témoignage ne t'appartient pas. Ce n'est pas quelque chose que tu dois garder chez toi. Le témoignage, c'est quelque chose qui doit retourner à Dieu. Tu peux mettre le témoignage à la même place que la dîme. Tu peux mettre le témoignage à la même place que ton offrande que Dieu t'a révélée. Tu peux mettre le témoignage à la même place que le vœu que tu as fait. Le témoignage, c'est pour Dieu. C'est pour lui rendre gloire. Donc, tu peux pas, tu n'es pas Dieu. Le témoignage, c'est pour Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Donc, tu ne peux pas garder le témoignage chez toi. Si tu gardes le témoignage chez toi, ce que Dieu a commencé à faire là, ça se gâte après. C'est ce que vous n'avez pas compris. Hein, il a prié pour moi, ça a commencé à marcher. Après ça, je ne vois plus rien. Oh, il a prié au début, c'était comme ça. Après, je ne vois plus rien. Vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas certaines choses. Il y a des gens qui prient pour eux, il y a un miracle, ça se passe bien. Mais, derrière, ils font des plans. Peut-être que même tu as prié pour une somme d'argent. Ils ont eu l'argent, ils font comme s'ils n'ont pas eu l'argent. Ils sont en train de régler leurs dettes, leurs problèmes, leurs tout. Ils oublient que tu as prié pour eux. Après, il y a une catastrophe qui arrive, bah! Ils disent, non, non, il a prié pour moi-même. Moi-même, je croyais que c'est ton cœur là qui est mauvais. Il y a des gens qui sont mauvais dans leur cœur. Et puis, ils font semblant d'être bons. Quand ils viennent au début vers l'homme de Dieu, ils le blaguent avec offrande. Au début, hein. Quand ils ont besoin de lui, là, au début, il peut même acheter voiture, télévision, ordinateur, tout ce qu'il veut. Au début, hein, quand ils arrivent, et puis comme Dieu connaît, il y a deux sortes de personnes. Il y a d'autres, Dieu les bénit. Et quand Dieu a fini de les bénir, là, il gâte, il cache les choses, il ne dit pas au pasteur, parce qu'il veut régler leurs problèmes. Donc Dieu règle leurs problèmes. Après, il dit, non, c'est un faux pasteur. Hein. Il a prié pour moi, mais ça a commencé à aller. Mais, tant. Ça, c'est un premier groupe. Le deuxième groupe, là, eux, Dieu ne leur donne rien. Parce que Dieu connaît leur cœur. Et Dieu dit, celle-là, elle croit qu'elle va venir blaguer mon serviteur avec telle offrande. Celle-là, il la connaît, c'est une menteuse. C'est une menteuse. C'est un menteur. Quand je vais lui donner ce qu'il attend là, il va même pas penser encore. Il va blaguer mon serviteur, il va blaguer les enfants de Dieu. Donc, je le laisse comme ça. Hein, pasteur, tu as prié pour moi, mais ça ne va pas. Depuis là, je suis en train d'attendre ma réponse, mais. Ok. Moi, j'ai prié. Je ne suis pas Dieu. J'ai prié. Dieu voit ton cœur aussi. Si tu sais qu'il n'y a pas de problème avec ton cœur, c'est que tu seras exaucé. Si tu sais que tu n'es pas hypocrite, ça va aller. Si tu sais que tu es reconnaissant, ça va aller. Sois patient. Il y a des gens même qui quittent un homme de Dieu parce que il a prié, j'attends quelque chose, je n'ai pas encore eu. Même jamais s'il tombe malade, 2 minutes. C'est-à-dire qu'il tombe malade. Il y a des gens qui ne savent pas que quand ils s'approchent d'un homme de Dieu, ce qui était caché dans leur corps, comme maladie là, deux fois ça se manifeste pour sortir. Et donc il y a des gens, ils tombent malades, ils disent, avant je n'étais pas malade comme ça, quand je me suis approché de lui, je suis malade comme ça. Il a dit, oh, quand il venait, on a mis corde sur ton cou, on a mis physique sur ta tête pour dire, va aller vers l'homme de Dieu. Ce n'est pas toi-même qui as dit que Dieu t'a convaincu que c'est un homme de Dieu, tu es allé vers lui. Mais pour, tu crois que l'épreuve là, c'est toi ceux qui vis dans la vie. Ceux qui ont coupé leurs pieds, leurs mains là. Il y a des handicapés aujourd'hui qui prêchent même. Il y a des bobos qui prêchent. Tu comprends? Dieu ne sait pas donner. Mettez des cœurs, on va quitter ici. On va pas vos cœurs. Mettez des cœurs. Hein? Dieu ne sait pas, je te donne ça, tu me donnes ça, je viens, je te blague avec ça, je fais ça après, je te dribble avec ça, je fais ça après, je te fais. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît vos cœurs. Et puis il y a des gens, quand ils finissent de donner là, façon ils te critiquent derrière. Il a donné. Toi-même tu es content, oh ma soeur, que Dieu te bénisse. Mon frère, que Dieu t'élève.
Mais derrière, il a été critiqué chez son cousin, chez sa tante, etc. Lui, là même vraiment, mais ceci, cela, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. C'est quand tu as donné là, tu as versé du sable dedans. Voilà. Moi, je me dis la vérité, tu as tout gâté. Ta bouche a tout gâté. Ouais. Ta bouche a tout gâté. Oh, je l'avais acheté ça. J'avais fait ceci. Mais depuis que j'ai fait ça, ma vie, c'est comme ça. Même mon mari veut me quitter. Je suis allé, ils m'ont fait une opération. On m'a fait ceci. Il a dit, oh, avant de venir voir l'homme de Dieu là, tu n'avais pas de problème. Ton mari et toi là, vous ne vous êtes pas disputé avant. Ton mari et toi là, vous n'avez jamais parlé de divorce. Ton mari et toi là, vous vous êtes jamais pris la tête avant de connaître l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui a pris le monsieur là pour déposer dans ta maison. Noé, je suis allé me faire opérer, mais ils ont trouvé une autre maladie encore dans mon corps. Et alors, dis gloire à Dieu. Il y a une maladie qui était cachée dans ton corps. Ils ont cru que c'était une seule. Ils sont partis, ils ont trouvé deux, ils ont trouvé trois. Dis alléluia, gloire à Dieu. Au moins, on va me soigner. Non, je ne comprends pas pourquoi je peux avoir deux maladies dans ton corps. Ta maladie, là, était dans ta vie avant. Avant que tu t'approches de l'homme de Dieu. C'est parce que tu t'approches de lui, ça se manifeste pour partir. Donc, quand tu ne comprends pas, il faut te renseigner. Donc, il y a des gens qui sont bizarres. Ils cherchent les hommes de Dieu. Celui qui va être magicien. Celui qui va faire tac, tac, tac. Et puis, c'est réglé. Tac, tac, tac. Et puis, c'est réglé. Comme Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes intentions. Dieu sait qui tu es. Il y a des gens même qui sont malades jusqu'à aujourd'hui. On prie pour eux, ils ne sont pas guéris. C'est des, par exemple, une femme. Parce que le Seigneur sait que c'est la sienne. Elle est guérie nette. Elle est dans maquis. Elle est dans bois de nuit. Elle est en train de chercher mari des autres. On ne peut plus l'attraper. Même quand on dit direct de prière, pendant ce temps, elle est en train de faire autre chose. Comme Dieu te connaît, Dieu dit, je préfère que tu aies un peu mal aux pieds et puis tu vas prier de temps en temps. Parce que si je guéris tout là, toi là, je te connais, on ne peut plus t'attraper. Ça, là, vous ne voyez pas. Il y a des gens qui ne voient pas leur comportement. Hein. Il y a des gens qui ne s'étudient pas même pour voir leur cœur, comment ils sont. Il y a des gens qui ne font pas ça. Hein. Ils voient seulement, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça, elle a fait. Mais eux-mêmes là, ils ne se posent pas de questions. Or, quand tu mets ton doigt comme ça pour dire, hé, toi là, tu as vu le pouce, non? Le pouce va où? Le pouce vient sur toi-même. C'est-à-dire que pendant que tu indiques quelqu'un, il faut t'examiner aussi toi-même. Vous avez compris? Donc ce soir, j'exhorte les enfants de Dieu à rendre témoignage. Si tu es passé un jour dans une église, tu as fait une prière, tu as été exaucé, même si c'est dans un autre pays que tu habites, il faut appeler les gens pour les rendre témoignage. Le jour que tu es de passage dans cette ville, dans ce pays, va rendre témoignage. Si quelqu'un a prié pour toi, tu as vu les preuves, même si c'est un petit pasteur, un frère en Christ, une soeur en Christ, ce que Dieu a fait pour toi là, il faut lui dire, il faut dire, Dieu a fait ceci, ne le garde pas pour toi, le témoignage ne t'appartient pas. Il y a des gens qui viennent, oh, je vais faire une affaire, je suis en train de prier, parce que j'ai besoin, on va me décaisser des milliards, des millions. Je fais un vœu à Dieu. Quand je vais avoir ces millions, ces milliards, moi je donne 10%, 30%. Je vais même construire une église. Je vais faire ceci. Bla 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 bla. Il finit de chanter. Bla 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 bla. Le pasteur, au nom de Jésus, Père, par l'alliance qui est sur ma vie. Père, je prie, Père, il jeûne, il pose des actions. Dès qu'il a ses millions, ses milliards, depuis longtemps je voulais acheter un terrain. Je n'ai pas fini ma maison. Ma soeur, ma tante, mon cousin, le tombeau de mon papa, le tombeau de ma maman.
Il oublie qu'il a vu un homme de Dieu. Il a prié avec lui. Il lui a dit, si Dieu le fait, je ferai ceci. Bande de chrétiens de mamailleurs. Ah, il y a trop de chrétiens mamailleurs. Et ce sont ceux-là qui quittent d'église en église, de pasteur en pasteur, de direct en direct. Et ils sont allés ici aujourd'hui. Ils ont été un peu satisfaits. Ils sont plus satisfaits. Ils courent. Ils arrivent quelque part d'autre. Alléluia. Oh, il y a Dieu ici. Pasteur, tu es Dieu toi-même. Tu es Jésus-Christ toi-même. Dès qu'il y a un petit truc, ils s'en vont encore ailleurs. Je suis quitté là-bas là. Vraiment, je crois que c'est un homme de Dieu. Oh, ici là, il y a Dieu. Oh, ça me pique. Il y a piment dans mon corps. Hey, j'ai vu le feu. Moi, j'ai vu la tête trembler. Quand il y a un problème, il court, ça va encore quelque part. Hey, chrétien mamailleur. Il cherche le vrai homme de Dieu idéal. Il cherche celui qui fait la magie. Il cherche celui qui est charlatan. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris. Ils se disent, au lieu de rester là pour jeûner, prier, prêcher, blablabla, je vais aller chercher un médicament, je vais faire magie qui cherche là, et puis vous me donnez mon argent. Hey, c'est vous qui poussez les gens à faire ça. Oh. Il va et puis il prend ses trucs. Quand il vient, il dit, je praticalise. Ton caleçon est rouge, non? Tu dis oui. Ta carte bleue est bleue, non? Le numéro de ta carte bleue, je vois les trois derniers chiffres, c'est 7, 8, 9. Tu dis, alléluia, pasteur. Qui s'appelle Kwadjo Konan Bernard? Ouh, je vois Kwadjo Konan Bernard, mais il faut lui dire qu'il va mourir bientôt, hein? Ouh, mais j'ai lassé des poules. Ouh, ouh, ça me touche, vraiment. Tu es bon, pasteur. Non, vraiment. Il y a l'onction dans ta vie. Praticalise, pasteur. Praticalise. Ouais, on va continuer ce travail-là, mais là, vraiment, les prières à faire, là, il y a trop d'actions dedans. Il y a trop de choses à faire. Donc, ça, c'est une affaire de 5 millions. Parce qu'on va acheter des trucs, on va faire ça, et puis on va faire ça. Bon, est-ce que tu peux avoir 5 millions? Eh, hey, papa, c'est ma vie, oh. C'est ma vie. Si, ça là, même si elle ne peut pas là, elle prend crédit, je vais chercher. Brouba. Ils en prennent toutes ces économies. 5 millions, ils déposent bas. Il croit qu'on va faire magie, sa vie va changer. Il n'y a rien. Il n'y a pas mari, il n'y a pas femme qui vient, il n'y a pas enfant qui vient, voyage ne vient pas, il n'y a rien qui vient. Ça là, c'est le faux pasteur. Ça là, c'est le faux pasteur, c'est le mamaïen, c'est le ceci, cela. Il a dit, oh, on t'a obligé. Tu ne peux pas ouvrir ta Bible là pour lui des fois. Toi-même, tu n'as pas genou pour te mettre à genoux pour prier aussi des fois. Il a dit, tu n'as pas bouche pour prier. Tu n'as pas bouche pour dire Seigneur de temps en temps. Pourquoi tu sais toujours magicien. Un homme de Dieu, ce n'est pas un magicien. Un homme de Dieu peut prier puis Dieu ne va pas les exaucer. Un homme de Dieu peut prier puis Dieu n'est pas d'accord. Un homme de Dieu n'est pas obligé de prophétiser chaque dimanche, chaque matin, chaque soir. Un homme de Dieu ne peut pas, il n'est pas Dieu. Il est homme de Dieu, il est serviteur de Dieu. La décision finale appartient à Dieu. Mais quelqu'un qui te dit qu'il est homme de Dieu, que tout ce que lui fait doit s'accomplir, toutes les prières, tu sais qu'il y a quelque chose derrière, ce n'est pas Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend la décision d'exaucer. Même Jésus, même là, il nous a dit, quand on prie là, disons à Dieu, que ta volonté soit faite. Donc les gens aujourd'hui ne lisent pas la Bible, les gens n'ont pas de vie de prière. Les gens n'ont pas de vie de consécration. Les gens n'ont pas de vie de persévérance.
Les gens n'ont plus de foi. Dès qu'il y a une épreuve, c'est fini. Jésus n'existe plus. Le pasteur est mauvais, c'est un diabolique. Dès qu'on les parle, peut-être que c'est dans cette opération-là que Dieu veut te démontrer qu'il est Dieu. Peut-être que c'est dans cette maladie-là que Dieu veut déclencher quelque chose de plus grand et de merveilleux dans ta vie. Mais, vous voyez, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là, comme c'est un moment de témoignage, ce n'est pas un jour pour prêcher. Mais je voudrais que chacun de vous comprenne que le témoignage peut augmenter les grâces dans ta vie. Le témoignage augmente les bénédictions dans ta vie. Le témoignage t'ouvre d'autres portes qui n'avaient pas été ouvertes quand on a prié pour toi. Regardez même entre nous même humains. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Il est délivré, il est libéré, il est guéri. Et puis demain, la personne rend témoignage. Et la personne même, après son témoignage, me bénit. Vous et moi, entre vous et moi, vous croyez que je peux oublier la personne? Non. Parce qu'il est revenu vers moi rendre témoignage. Mais quelqu'un qui est délivré, c'est tous ceux qui m'énervent là. Excusez-moi. C'est ceux qui t'appellent ou bien qui t'écrivent. Hé, papa, tu m'as oublié. Je suis ta fille. Oh. Je suis ton fils. Tu m'as oublié. Toi-même, tu es là, tu cherches la personne, tu ne sais pas c'est qui. Papa, je suis ta fille. Il y a longtemps de cela, peut-être que tu m'as oublié. Mais ça fait 2 ans. J'étais venu vers toi, tu avais prié pour moi, ça avait commencé à aller. Mais papa, je dis, non, depuis 2 ans, ça veut dire que tu sais que je suis là encore. Non, papa, tu sais, ce sont les épreuves. C'est parce que, en plus, il y a d'autres qui mentent, on dirait, ils respirent. Il manque comme il respire. Hein? Non, papa. Papa, tu ne te rappelles pas de moi? C'est moi qui avais prié un jour et puis ceci, cela. Oh, je sais que tu as oublié, tu as beaucoup d'enfants. Oh. Ça fait au moins 3 ans comme ça. Ça fait 3 ans. Donc, depuis 3 ans, tu as fait quoi? Comment pour retrouver mon numéro? Puisque c'était perdu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alors, le témoignage est une puissance. Et le témoignage n'appartient pas à l'homme. Le témoignage appartient à Dieu. Je vais faire une prière. Puis ceux qui ont des témoignages à rendre vont rendre. Les chrétiens, si vous n'êtes pas là, on va faire quoi même? Si vous n'êtes plus là, si vous n'êtes pas là, s'il n'y a pas chrétien, nous on fait quoi? Chrétien, vous êtes trop fort. Il y a des bonnes personnes. Et puis il y a des mamailleurs. Il y a des gens qui viennent vers Dieu parce qu'ils veulent quelque chose. Il y a des gens qui viennent vers Dieu, ses serviteurs, parce qu'ils veulent quelque chose. Mais Dieu même là ne les intéresse pas. Et ça c'est dommage. Faut que Dieu t'intéresse. Ma broko sane breka la shimabo tolobo sarabra telege. Nikomoro shikabaya la tondo lobo sarabarabara koshikide. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour cette soirée de témoignage. Merci pour ce message qui nous édifie. Merci pour ce message qui nous fait comprendre que nous ne pouvons pas garder ce qui n'est pas à nous. Et le témoignage en fait partie. Et nous voulons te rendre gloire ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vous allez appeler pour votre témoignage. Le numéro est là. Vous appelez, soyez un peu bref. Faites un résumé de votre témoignage. Ne rentrez pas dans tous les détails. Vous n'êtes pas obligé de dire votre nom, ne dites pas votre nom. Rendez témoignage seulement de ce que Dieu a fait pour vous. Et puis je vais préciser, si ce n'est pas un témoignage qui concerne ma prière, bon, je pense qu'il faut laisser les gens qui ont envie de rendre témoignage par rapport à une prière qu'on a faite ici. Voilà.
Si toi-même tu as prié, ou bien, il y a déjà un appel. Si tu as prié, allô? Allô? Ah, oui, excuse-moi, quitte pas. Attends juste deux minutes. Quitte pas, hein, quitte pas. D'accord. Donc, je disais que si ce n'est pas un témoignage qui concerne nos moments de prière, et que c'est toi qui as prié, Dieu a fait quelque chose, tu as prié ou bien que quelque chose s'est passé quelque part, que ça ne me concerne pas, attends d'abord que les gens qui ont un témoignage à rendre par rapport à nos prières puissent les rendre, et puis toi, si on a le temps encore, tu vas rendre ton témoignage. Que Dieu vous bénisse, mettez le cœur. On va écouter notre soeur, on a une soeur qui a appelé. Shalom ma soeur. Alléluia, gloire à Dieu, l'homme de Dieu. Shalom, amen. Je veux rendre un témoignage. Oui. Mon témoignage concerne le vendredi, l'homme de Dieu, que je vous avais envoyé au Dieu. Le vendredi. Mon témoignage concerne, oui, le vendredi soir. Oui. Pour la prière du vendredi soir. Oui. Moi, je n'ai pas commencé le début, mais j'ai commencé vers 22h. Et que donc, du coup, j'ai tombé au moment que l'homme de Dieu qui prêchait. Mm-hmm. Comme quoi, c'est nous-mêmes, c'est nos bouches. C'est nous-mêmes, nos bouches qui nous condamnent nous-mêmes. Mm-hmm. Parce qu'on met les malédictions sur nous-mêmes. On dit des paroles. Mm-hmm. Donc, ce soir-là, mm-hmm, tu vas prier pour nous. Tu vas derrière nos langues. Pour mm-hmm que nos prières, parce qu'à force de dire des mauvaises paroles sur nous, ça fait que compris, nos prières ne vont pas loin. Mm-hmm. Donc tu vas prier pour nous, pour derrière nos langues. Oui. Donc c'est ça que l'homme de Dieu qui a prié, qui a prêché aussi, qui a parlé qu'il faut mm-hmm qu'on lit aussi la Bible aussi. Mm-hmm. Donc la nuit, comme moi j'ai dormi à songe, c'était bizarre, mais j'étais dans une voiture. Et c'est comme je partais rencontrer une amie que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vue. Mm-hmm. Donc, dans la voiture, quand j'ai descendu, moi, j'avais mon caddie, je poussais mon caddie. Mm-hmm. Mais l'endroit où l'homme de Dieu, j'étais arrivé, c'était marqué numéro 12. Mm-hmm. Donc, numéro 12, en tout cas, l'endroit est énorme. C'est un grand endroit, il y avait des armes, tout ça là. Mm-hmm. Donc, quand je rentrais, sur ma gauche, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des femmes. Mais eux tous, ils étaient blancs. En tout cas, je n'ai pas vu noir dedans. C'était des... Eux tous, ils étaient blancs. Ils étaient assis. Il y avait mm-hmm une église. Mm-hmm. L'église avait ouvert la porte. Mm-hmm. La porte était ouverte. Et puis, ces femmes-là lisaient la Bible. Et mm-hmm les femmes chantaient. La chanson qu'elles chantaient, ils disaient « Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. » Donc, elles chantaient, puis elles lisaient la Bible, mais il y avait plein de Bibles autour de eux. Ils avaient mis la Bible partout, et puis ils étaient assis, ils lisaient, et puis ils chantaient. Donc, l'homme de comme moi, je suis arrivée, je me suis sentie quelque chose froid, et puis j'ai commencé à trembler sur moi. Donc, juste à côté de le ciel était divisé en deux. Sur ma droite, le ciel était noir. Et sur ma gauche, le ciel était tout bleu et dans le ciel, il y avait quelque chose qui était assis. Il y avait la chose, le truc avait des, comment on appelle, des... Oh, c'est des choses. Ah, en tout cas, il avait le chose, la couronne sur la tête, mais il y avait des, comme Béli, là, comment on appelle le truc. Des cornes. Des cornes. Des cornes, et puis il y avait la couronne sur la tête. Le truc était si énorme, c'est comme il a, ça dit, comme il a sissi la terre, énorme, énorme l'homme de Dieu. Mais quand j'ai vu ça, mes yeux ont commencé à couler. J'ai commencé à trembler sur moi, Et en même temps, j'ai eu peur, je me suis réveillée. Mais quand je me suis réveillée, la chanson que les gens la chantaient, j'ai commencé aussi à chanter. Alléluia, Hosanna. Le samedi matin, j'ai commencé à chanter. L'homme de Dieu, quand je me tenais debout, c'est comme je vais tomber. Je suis devenue loup faible, comme ça. Je ne sais pas, je tremblais sur moi. Après, je suis partie me laver, je suis venue, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, je sortais des paroles. Le soir, pareil,
Même hier, quand j'ai commencé à prier aussi dans la journée, quand j'ai un bout de temps, j'ai prié aussi dans la Quand nuit. tu dis que tu sortais des paroles, ça t'avait dit quoi? Ça dit, c'est des. Ça Tu dit, quand parlais en langue. voilà, j'ai parlé en langue, mais c'est des paroles qui sortaient. J'ai parlé en langue, mais je sortais des paroles que je n'ai Non. jamais parlé comme ça en langue, quoi. Avant, tu parlais en langue déjà. Oui, avant, j'ai parlé en langue déjà, Mais oui. c'était différent, quoi. Comme, c'est ça? Voilà, Ok. c'est ça. Ok. Donc, ce que c'est. Vas-y, faut être un peu bref, comme il y a d'autres personnes qui vont appeler. Voilà. Donc, l'homme, après, j'ai commencé à trembler sur la lame, ils sont en train de parler, ça dit, je tremble sur moi. Tellement que l'homme de Dieu, c'est fort, que si j'ai vu, en tout cas, c'est trop fort. C'est fort, je n'ai jamais vécu ça, je Donc, ne en sais pas. résumé, quand on a fait le direct le vendredi, toi, Oui. tu es tombé sur le direct vers la fin, tu as prié, tu as écouté tout ce que j'ai dit, tu as fait les Voilà. actions que je t'ai Voilà, c'est dit. ça, oui. Voilà, c'est Bon, ça, l'homme et de puis Dieu. c'est cette nuit-là que tu as fait le rêve, là. Voilà, c'est Et ça, quand tu oui. as fait le rêve, tu as vu cet être-là. Faut pas dire quelque chose, c'est un être saint. C'est la manifestation de la présence de Dieu que tu as vu. Donc, tu as vu Amen. cet être-là, cet être. Tu étais Oui. sous l'onction, tu t'es levé, tu étais toujours sous l'onction. Et jusqu'à Oui. présent, ça continue d'agir dans ta vie. Voilà. Amen, oui. Donc, ok. Donc, ça, c'est le résumé. Donc, que Dieu te Voilà. bénisse. Que ce que le Seigneur Amen, a mon Dieu. commencé dans ta vie, il continue. Amen. Que Amen. sa grâce t'accompagne en toutes choses. Amen. Que tout ce Amen. qui était Amen. bloqué dans ta vie soit débloqué. Et que Amen. l'onction de Dieu qui a commencé dans ta vie ne s'arrête pas. Que le Seigneur Amen. t'élève. Je suis en Amen. train de ressentir quelque chose. Le Seigneur, de recevoir. Le Seigneur me dit en fait qu'il t'a donné Amen. le don de prophétie. C'est-à-dire qu'il y a un ministère de prophétesse qui va démarrer dans ta vie. C'est ce que Dieu a Amen. commencé. C'est pourquoi ta Amen. langue a commencé à changer. Ce que tu dis, là, quand tu parles en langue maintenant, c'est que c'est des prophéties que tu sors. Faut commencer à les enregistrer même s'il faut. Tu vas voir que tu Amen. auras aussi les traductions et demande aussi la traduction au Seigneur. Donc c'est, et Amen. tes yeux vont s'ouvrir très fort Et bientôt. Tes Jésus. yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir des Amen. choses très fortes. Et le Seigneur, donc ce jour-là, par cette action, t'a donné Amen. le don de prophétie. Et c'est ce que, et Amen. l'Esprit me dit, il te dit de continuer à prier, de te consacrer dans la prière, de Amen. continuer à prier. Voilà, que tu continues à prier, que tu te consacres dans la prière. Parce que Dieu va commencer à t'utiliser. C'est ce qui a Amen. commencé. Amen. Voilà. Kouramashite. Amen. Merci, l'homme de Dieu. Fais une prière pour moi avant que tu partes. Élève ta voix. Amen. J'ai écouté ton parler en langue. C'est le don des langues. Tu vas commencer à parler dans les langues. Tu peux parler en chinois, tu peux parler en espagnol, tu peux parler des langues. Écoute-moi, hein. Maîtrise-toi. La Bible dit l'Esprit de Dieu est soumis au prophète. Maîtrise-toi. Je suis en train de te donner un enseignement là. Écoute-moi. Voilà. Quand tu as commencé à parler en langue, tu parlais une langue. Quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui connaît cette langue, peut savoir de quoi tu es en train de parler. Tu es en train d'envoyer un message à quelqu'un. C'est comme ça que ça démarre. Maîtrise-toi et surtout, ferme pas tes yeux quand tu me parles là, parce que ça va pas. Voilà, essaye d'ouvrir tes yeux et puis maîtrise-toi, tu vas voir. Il y a une chose que tu dois commencer à faire, c'est de continuer à prier de te maîtriser. Parce que quand tu parles en langue comme tu es en train de parler là, tu ne coupes pas tes paroles par les rires, papa. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est le parler en langue des débutants, ça. C'est parler en langue des gens qui commencent à parler. Parce que tu es en train d'envoyer un message, c'est comme si tu prophétises, et puis tu t'arrêtes dans le message pour faire papa. Et puis tu reprends encore, papa. Papa, ça ne fait pas partie du message. Donc, il faut que tu arrives à être dans cette maîtrise. Il y a le parler en langue poussé par le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, et puis il y a le don des langues, le don des langues. Et quand tu entends parler espagnol, anglais, tout ça, tu vas pas laisser là pour faire papa. Ça ne sert pas la langue des anges, c'est la langue des hommes.
Donc, regarde, je prends un exemple très simple. Farokobo sende de bar de geshit balagan de bas. Lindobo saribala. Ça, je suis en train de parler en langue. Mais si l'esprit est sur moi, et puis je commence à parler, puis un moment, et puis ma voix change. Ma voix change. Et puis ce n'est plus la langue que je parlais. Est-ce que je parle en langue? Il y a quelqu'un, un prophète qui était là, il demande à son ami, mais il parle dans quelle langue? On dirait que c'est béninois, il est en train de parler. Moi-même, j'étais là, j'étais étonné. Ça veut dire qu'il entendait, on dirait que je parlais béninois. Et puis je continuais, mais en ce moment, tu fais, t'arrêtes pas, tu fais, ça, c'est les émotions. C'est pourquoi la Bible dit, le prophète est soumis, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Ouais. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Tout le monde va parler en langue dans les bus, dans les avions, dans les trucs. Donc, il faut que tu arrives. Il faut que tu arrives. Donc, il faut t'exercer. Le parler en langue, c'est comme le sport. Il faut t'exercer. Il faut continuer à prier. Tu vas voir que tu vas commencer à avoir des maîtrises. Tu vas voir que tu vas commencer à faire la différence entre la langue que tu parles, le parler en langue, et comment dirais-je, entre ce don que Dieu vient de te donner. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Passe une très bonne soirée. Continue à suivre le direct et à partager. Voilà. Merci Saint-Esprit. Je profite. Bon, regardez, si cette femme n'avait pas appelé pour rendre témoignage, est-ce que j'allais lui donner cet enseignement qu'elle vient de recevoir? Voilà, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler tout à l'heure, mais tu as appelé en vidéo. Je ne sais pas si c'est une erreur. Il y a un appel, mais c'est un appel en vidéo. Je vais... Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir, comment tu vas? Ah, ça va bien, et toi? Dieu fait grâce, ça va. Amen. Ben, je t'appelle pour rendre un petit témoignage. Ah, on t'écoute. Dimanche, t'as eu une révélation sur moi au niveau du COVID. Oui. Et puis, ça faisait un mois que j'ai pas travaillé. Tu m'avais dit que ceux qui attaquent mes parents, ils envoient une flèche sur moi pour pas que je travaille, pour que je puisse perdre mon travail. Et puis, je voulais rendre témoignage parce que Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Et puis, quand j'ai bu l'eau, j'ai commencé à transpirer, j'ai vomi, j'avais froid. Je t'avais dit que tu allais vomir, non? Oui, il avait dit ça. D'accord, vas-y, continue. Et puis j'avais froid, je rotais aussi. Et puis lundi, hier, j'étais en train de louer Dieu. Et puis à un moment donné, je me sentis étourdie, comme si j'allais tomber. Et puis je voyais flou. Et puis à un moment, j'ai entendu un boum, comme si quelqu'un a posé quelque chose de lourd sur ma tête. Puis c'est resté un petit moment. Et puis après, c'est parti. Et puis quand j'allais récupérer ma fille, j'ai senti ma cheville droite, comme si une chaleur chaude. Mais quelque chose qui s'est déroulé. Et puis après, c'est parti. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Dieu merci. J'avais prié pour toi. Je t'avais dit que quand tu vas boire l'eau après, tu risques de vomir. Parce que Dieu va retirer ce qui a été lancé contre toi. Je rends gloire à Dieu pour ce témoignage. Je prie que les ennemis de ta vie, les ennemis de ta destinée... Oh, Dieu est en train de me parler. Dieu est en train de me parler. Il y a longtemps que toi, tu devrais te marier. Oh, Dieu est en train de me parler. Il y a des gens qui t'ont aimé, même la séparation entre toi et le père de ta fille, c'était des gens qui étaient derrière. Il y a des gens qui t'ont vu, qui t'aiment, mais qui veulent même t'épouser. Mais ils ont posé une action. Et ça, ce n'est pas en France. C'est depuis la Martinique. Depuis la Martinique, ils ont posé une action. Et ils ont posé une action pas contre toi seul.
Ils ont posé une action contre ton père, contre ta mère. Ils veulent que ton père et ta mère divorcent, se séparent. Ils veulent aussi que tous les enfants qu'ils ont eus soient malheureux. C'est une méchanceté, une haine. Je suis en train de voir quelqu'un qui fait des choses dans le cimetière et qui va aussi au bord de la mer pour faire des choses. Quelqu'un de très mauvais. Je regarde son teint, je le vois en ce moment, mais je regarde son teint. Il est mince, il est noir, son teint n'est pas clair, son teint n'est pas trop clair. Eh, Maso Koroboché, cette personne peut ne pas être de la famille, mais cette personne est celui que les gens vont consulter pour faire les choses. D'accord. Tu devrais te marier depuis longtemps. Tu devrais porter la bague depuis longtemps. Ils ont tout fait. Mais à ma qualité de prophète, à ma qualité de ouin de Dieu, par l'onction qui est sur ma vie, aujourd'hui, parce que l'Éternel m'a révélé, je déclare que cette année est la fin de ton célibat. J'appelle maintenant l'homme de ta vie, que la puissance de Dieu touche son cœur et qu'il franchisse toutes les barrières pour venir. Je dis que toi, tu vas rendre témoignage. Ton mariage, là, on va rendre témoignage. Ton mariage sera un témoignage. Ton mariage sera un témoignage. Le prochain qui vient, ce n'est pas histoire de copain-copine. C'est celui qui va te demander la main. C'est celui qui va t'amener à la mairie. Je déclare que cette parole est scellée au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni, papa. Amen. On suis en train de m'épuiser. Excusez-moi deux minutes. Je vais voir quelque chose. Moi, je fais toujours bisous à ma fille avant qu'elle aille au lit. J'arrive deux minutes. On va prendre deux ou trois témoignages. On va prendre deux ou trois témoignages et puis... On va prendre deux ou trois témoignages et puis... On... Allô? Oui, allô. Bonsoir, papa. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. J'appelle de la Guinée qu'on a créé, Yvette Kwaku. Oh. Yeah, tu es loin, ok. Sois béni. Amen, amen. C'est la première fois que tu m'appelles. Papa, hein. Oui, oui, c'est la première fois et ça fait quelques temps que je suis vos vidéos. C'est maintenant que j'essaie de vous appeler. Mm-hmm. Bah, oui. En fait, moi, je veux dire merci à Dieu parce que grâce à Dieu, actuellement, je vis encore. J'ai des sérieux problèmes, sincèrement. Dans deux jours, je suis vos directs. Je commence à. Mon esprit commence à souffrir, quoi. Souvent, je suis assis, je veux prier. Même quand je ferme mes yeux, il y a des images que je vois. Ça fait un an de cela, je fais un rêve. Dans le rêve, c'est comme si le ciel s'est ouvert et puis il y a une nuage qui est quittée, tout blanc, qui voulait tomber. J'étais arrêtée avec ma grande soeur, notre aînée. Et c'est quitté là-bas jusqu'en
où ça voulait tomber dans ma main, ça s'est transformé en une grosse serviette toute blanche. Au moment où je voulais prendre la serviette, ma grande soeur a sauté. Et puis, nous deux, on a attrapé la serviette, mais je lui ai dit, mais c'est ma chose. Et puis, je l'ai arrachée. Et quand je l'ai arrachée, deuxième rêve, c'est comme si la deuxième grande soeur, maintenant, celle que je suis directement maintenant, on marchait, et puis il y a quelqu'un qui est quitté là-bas, il est venu, il a tapé sur ma tête. Papa, un mois après, j'ai eu des problèmes de tête, pas possible. Et jusqu'à présent, ça va faire un an, novembre, ma tête me fait mal. C'est comme si ils ont versé du piment sur ma tête, sincèrement. Je souffre sincèrement dans ma peau même. Donc, c'est sujet de prière ou c'est témoignage? Parce que ce soir, c'est témoignage. Hein. Faut pas me mamailler. Non, je vous mamaille pas. Au fait, quand j'ai écouté la fois dernière, avant-hier, je voulais sur votre direct et puis ma connexion est finie, c'est coupé. Ok. Je n'ai pas pu terminer. Ok. Quand je voulais. Ok, comme tu es loin, tu es dans un pays africain. C'est la première fois que tu m'appelles. C'est Guinée-Conakry. C'est la première fois que tu m'appelles. Aujourd'hui, je vais faire une exception. Je vais prier pour toi. Mais après, il faut tout faire pour avoir le numéro de ma secrétaire pour prendre rendez-vous. Je vais continuer à prier pour toi. Mais aujourd'hui, je vais prier pour toi. Sinon, dans les directs de témoignage, je ne prie pas. Je ne prie pas pour les sujets de prière. D'accord. Comme je viens de tomber dessus, donc j'ai profité. Il ne faut pas parler beaucoup. Tu vas perdre le temps encore. Il n'y a rien qui soit en train d'appeler. Il dit, je vais prier pour toi. Donc, ce n'est pas à peine de te justifier. Il faut mettre ta main sur ta tête. Tu as un peu d'eau à côté de toi. Oui, papa. Prends un peu d'eau rapidement. D'accord. J'ai pris. Souffle-toi quoi sur cette eau et puis, à même pas en deux minutes, en une minute, tu parles sur le verre comme ça, tu pries Dieu, mais tu parles comme si tu veux te mettre en accord avec cette eau. Fais-le rapidement, je vais prier. D'accord. Il souffle trois fois. Souffle trois fois. Ma fille, il n'y a pas trop le temps, hein? Donc il faut bien écouter, parce qu'il y a des appels encore. Faut bien écouter, faut pas trop parler, parce que après tu vas tout m'yami là, c'est pas bon. Faut souffler trois fois. Puis là, je suis en esprit là, donc je ne peux pas. Oui, j'ai soufflé. J'ai dit souffle trois fois et puis fais une petite prière. Je vais prier, je suis en esprit, ça me fatigue. Ça me fatigue, je suis en esprit. J'ai fini de prier, papa. Déjà? Oui, j'ai fini. Tu as dit quoi à Dieu et puis c'est rapide comme ça là? J'ai dit à Dieu de sanctifier l'eau que je vais boire pour que je reçoive la guérison. Ok. C'est bien. Tiens le verre dans ta main. Non, pose le verre. Pose le verre. Ça va, on ne sait jamais. Pose le verre. Et puis mets ta main sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. D'accord. Mets ta main droite. Oh, my last break. Oh, Shibale. Il ne m'a plus qu'au cérébral. Tarebre, chibala, cande, de brise. Car, sol, bish, avant, colo, malasse. Ouh, apam, colo, malasse. Ma boule, sanebe, aussi, balaké, tolobo, sinalabachi, carabasse. Glory, bili, forobo, sarabashi, bili, mabo, sibiliga, mababo, serebe, gedebabuti. Moporobo, sabala, sibilige. Je sens l'onction. Père, maintenant, je fais un retour à l'envoyeur. Nom de Jésus. Laisse-moi prier. Faut pas dire au nom de Jésus. C'est moi qui prie maintenant. Si tu veux, tu dis Amen doucement dans ton cœur. Tu as compris? Voilà. Amen. Quand je suis en train de prier, quand je suis dangereux, je suis violent, je peux te... Laisse-moi prier.
Parce que quand je prie, je vois des choses. Donc, il ne faut pas m'interrompre. D'accord? D'accord. Au nom puissant de Jésus, je fais un retour à l'envoyeur. Je retire maintenant ce mal par jalousie et par méchanceté. Ce qu'ils ont jeté sur sa vie pour l'empêcher d'évoluer. Tout est bloqué autour d'elle. Tout est devenu difficile. Et Seigneur, son cerveau, sa tête n'appartient pas à l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui même, je retire le pouvoir de ce serpent et je ramène vers celui qui l'a lancé maintenant. Au nom puissant de Jésus, je commande que l'onction se manifeste maintenant. Je commande que maintenant cette tête commence à ressentir la délivrance. Je commande que cette tête ressente maintenant la délivrance. Au son de ma voix, je commande à cette tête de chasser ce mal maintenant. Je commande à ce corps de se libérer maintenant. Je détache ses pieds, ses mains et je retire ce serpent, je le jette à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, Saint-Esprit, manifeste-toi. Inonde-la. Inonde-la. Et pendant ce temps, retire ce mal. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comment tu te sens? C'est comme s'ils ont versé l'eau froide sur moi. Comme s'ils ont versé l'eau froide sur toi. Tu as froid. Mm-hmm. Tu trembles aussi? Mm-hmm. Après, tu vas aller vomir. Tu vas même faire la diarrhée aujourd'hui. Peut-être que ça ne va pas commencer aujourd'hui, mais quelque chose va se passer. Tu as été envoûté. Est-ce que tu es marié? Non, j'ai perdu mon mari, ça fait 3 ans. Tu as fait le rêve avant de perdre ton mari ou bien tu l'as... C'était pendant que tu étais avec lui. J'étais avec lui, j'ai eu un enfant. Quand j'ai accouché 5 mois et puis mon mari a eu un accident, il est mort. Non, j'ai posé une question. Ton rêve que tu as fait sur l'affaire des serviettes là, tu étais avec ton mari? Non. C'est quand il est mort, c'est l'année passée que j'ai fait le rêve. D'accord. Et là, tu es seule? Oui, je suis seule. Avec okay. Mon enfant. Ta soeur que tu as vue en rêve, elle est mariée? Oui, les deux sont mariés. Mes deux grandes soeurs, les deux que je suis, elles sont mariées. Mais toi, tu n'es pas mariée. Non. Elles ont des difficultés dans leur vie? Oui. Elles ont les mêmes difficultés? Je ne pense pas parce que je ne vis pas que je ne vais pas trop chez elles. Non, mais quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta vie avec leur vie là, est-ce que ça va chez eux par rapport à toi? C'est pas compliqué? Non. Je comprends pas. Non, c'est quoi? Ça va pas chez eux? Bon, monsieur, je suis beaucoup patient. On est déjà presque vers 23 heures là. Allô? 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 Oui, je t'ai donné trop de temps. Non, on va aller vite. J'ai dit, est-ce que... Je t'ai posé la question, est-ce que ça va chez eux par rapport à toi? Tu m'as dit non, mais le non là, je ne comprends pas. C'est quel non? Ça ne va pas chez eux ou ça va chez eux? Allô? Ok. On ne va pas insister. J'ai déjà prié. Il y a des gens qui ont essayé d'appeler. Je vais les prendre et puis on va... Il y a 3 personnes. Donc, je vais prendre seulement 3 personnes et puis on arrête le direct. Allô? Allô? Oui, shalom. Shalom, papa. Sois béni. Il est dans le témoignage. Sois béni, papa. Oui.
sur l'eau que vous allez prier pour. Vous avez prié sur l'eau. Oui. Le mardi passé, Oui. j'avais problème des maux de Bobo-Douma. Ça me Bo faisait tellement mal que je Bo ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais Bobo même Douma, pas bouger. Bobo Douma, c'est quoi même? J'ai entendu ça, mais je ne sais pas trop c'est quoi ça. Bobo Ça, c'est Douma. maladie des femmes. C'est maladie des femmes. Ça n'a rien à voir avec les douloureuses. Et l'autre, non. D'accord, vas-y. Le D'accord. En français, il n'y a pas de Et nom. j'étais là, je... Excuse-moi, en français, il n'y a On pas dit de nom. c'est l'utérus, non. Ah, d'accord. Vas-y, On continue dit ton. l'utérus. D'accord. Continue ton témoignage. Je ne pouvais même pas m'asseoir. J'étais couché en train de pleurer pendant des heures. Puis je me suis rappelé même que j'avais de l'eau qui a prié dessus. Et ah Seigneur, voici l'eau que papa a prié dessus. Si je bois, ça va faire quelque chose. J'ai pris l'eau, j'ai fini de boire, j'étais couché. Après, 2 heures après, je me sens rien. Oh Seigneur. Attends, tu dis quoi? C'est passé et je suis quitte. Non, attends, C'est passé, je non, n'ai plus mal. tu veux me blaguer le soir ou bien? Non, on va faire ça. On va faire ça, Atia normal. Il y a longtemps, je n'ai pas prononcé Atia normal. Hein. Ça me manque quand même, Atia normal. Il y a longtemps, je n'ai pas prononcé. Attends, tu étais en train de souffrir, tu avais mal au ventre. Hein. Tu pleurais. Et puis, tu t'es levé, tu dis, tu t'es rappelé de l'eau pour laquelle on avait prié dans le direct, c'est ça? Donc, et puis tu as pris l'eau, tu as bu. Quand tu as bu, c'est arrêté. C'est J'ai arrêté. pu me coucher parce que ça Je me suis couché et puis j'attendais pendant 2 heures après c'est passé. Non, plus rien, rien, rien. Maman mia! Maman mia, tiens normal, tiens normal, tiens normal, tiens normal. La gila, mon Dieu est puissant. Oh, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et puis, ce n'est plus revenu. Hein. Pour le moment, ça va chez toi. Hein. Oh, il est bon, ce Dieu. Maintenant, quand je suis la même que j'ai vêtu, je prends pour laver mon visage. Je peux maintenant, c'est devenu Lola est devenue ton fétiche à la maison là-bas. J'ai dit, oh, on va chanter. Pardon, on dit là, il faut me laisser chanter un peu. Et on va chanter une chanson, une vieille chanson qui est venue dans ma tête. Donc, même si tu ne connais pas, un faut me laisser chanter. Oh. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la guérison. Oh. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que cette guérison soit scellée dans le nom de Jésus. Et que ce que le Seigneur a commencé, il le continue. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que le Dieu qui m'a donné son onction. Que le Dieu qui m'a donné cette alliance avec l'eau, il m'a dit ce jour-là, tout ce que tu déclareras sur l'eau s'accomplira. Même si des gens te trichent, ils ne pourront jamais faire comme toi. Et que Dieu qui m'a donné le nom de l'ange qui veille sur l'eau, le Dieu qui m'exauce à chaque fois que je prie, que ce Dieu soit honoré par ce témoignage et qu'il te bénisse, qu'il te protège et qu'il enlève cette maladie totalement dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Ok, j'avais dit trois personnes, je vois trois appels. Il y a une personne ici, après j'appelle l'autre personne. Il y a une personne là qui a essayé, mais c'était en vidéo, je vais la rappeler pour voir. Allô? 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 Oui. Oui, c'est pour un témoignage. Oui, je vous écoute. Oui, voilà. Ah ben, je veux dire qu'on a fait dimanche soir Oui. avec les 3 bouteilles d'eau. Oui.
Quand tu as dit de souffler, moi j'ai soufflé. Ma fille, j'ai une fille qui est malentendante, donc je lui ai dit assieds-toi à côté de moi. Mm-hmm. Et j'ai prié, j'ai fait tout ce que tu as dit de faire. Mm-hmm. Et après, quand j'ai fini de faire tout, mm-hmm. Je lui ai donné une bouteille d'eau. Mm-hmm. Je lui ai donné la bouteille d'eau. Mm-hmm. Et quand je lui ai donné la bouteille d'eau, il est monté dans sa chambre. Mm-hmm. Et durant la nuit, elle a une petite fille de 10 ans qui n'a s'est jamais réveillée la nuit pour boire. Mm-hmm. Elle a pris la bouteille d'eau que je lui ai donnée, que tu avais pris, et l'enfant a bu dans la bouteille d'eau. Et le lendemain, elle me l'a dit. J'ai dit, ah, ça c'est le travail du Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, elle m'a dit, mamie, regarde, j'ai très bien travaillé, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, mais elle avait beaucoup de difficultés. Et là, elle m'a dit, regarde, j'ai très bien, mamie, regarde comment j'ai bien travaillé. Voilà, c'est la... Ok, si je comprends, la petite fille qui s'est levée la nuit, elle a quel âge? Elle a 10 ans. Elle n'a pas l'habitude de se lever pour boire de l'eau, non, tout ça. Non, mais ce jour-là, elle s'est levée et elle allait boire de l'eau de cette bouteille. La bouteille d'eau était à côté de sa maman. Elle a pris la bouteille d'eau, elle a bu. Okay. Elle a bu presque tout. Ok, attends. Laisse-moi te poser quelques questions. J'ai compris ton témoignage. Je pose des questions exprès. C'est pour faire un petit résumé. Donc, en fait, quand elle a bu l'eau, cette petite-là, avant, elle avait des difficultés. Des difficultés à l'école, c'est ça? Oui, à l'école. Oui. Et quand elle a bu cette eau, ça commence à aller. Elle est même venue te dire aujourd'hui, mamie, j'ai très bien travaillé, ça commence à aller. Elle m'a montré le cahier aujourd'hui. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il va falloir que tu prennes un rendez-vous, que je prie pour cet enfant. D'accord. Il faut prendre rendez-vous avec la secrétaire. Je vais prier pour cet enfant. Mais Dieu a commencé déjà. Dieu a commencé. Tu me reconnais, tu sais qui est là? Oui, je vois le nom. Tu as enregistré dans mon téléphone. Mais je ne veux pas dire le nom parce que je n'aime pas exposer les gens sur Facebook. Oui, tu n'aimes pas dire le nom. Voilà. Sinon, je vois ton nom. Il faut dire à la comment on appelle là? Il faut prendre rendez-vous. Je vais prier pour cet enfant. D'accord. Voilà. D'accord. Que Dieu te bénisse. D'accord. Et que sa grâce continue dans ta vie. J'avais un autre témoignage aussi, en ce qui concerne une parole prophétique que tu avais donnée. Oui. Tu as dit, on t'a empêché de te marier. Oui. Mais les gens qui t'ont empêché de te marier viendront, ils vont voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oui. Et il y aura beaucoup de monde, ils vont danser, les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce que tu as vu. Oui. Les moins jeunes, ils vont danser, et ce sera vraiment la gloire de Dieu. Je bénis Dieu parce que vraiment, ce que tu as dit, c'est la vérité. Amen. Ils m'ont empêché de me marier, ça fait plus de 20 ans. C'est vrai. Mais ça va aller, ça c'est, si tu veux prendre, le jour où tu prends rendez-vous, on parlera et on priera de ça. D'accord, on priera pour d'accord. ça, que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Mmh. Au revoir. Au revoir. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une migraine quand une femme rendait témoignage. Waouh. Alors, dernier témoignage. Et après ce dernier témoignage, je vais prier pour vous et puis on va se quitter. Et on se retrouve le jeudi. Allô? Oui? Oui, bonjour, bonsoir papa. Oui, bonjour, bonsoir. moi, je voulais rendre deux témoignages, un pour moi et puis un pour mon neveu au pays. D'accord. Moi, au fait, c'était la prière de dimanche. Oui. Quand on a commencé à faire la prière, avant qu'on a fini l'enseignement, et quand tu as commencé à bénir, à prier la fin, en tout cas, l'onction était très, très, très fort sur moi. Mm-hmm. J'étais vraiment, vraiment en action, je ne sais pas comment dire. Putain, l'esprit. Quand tu mm-hmm. vers la fin, tu as commencé à prier pour moi encore. Mm-hmm. Il dit que j'ai eu chaud de la tête aux pieds. Dans le froid, là, j'ai allumé votre lapin là. Moi-même, je n'arrivais pas. Tellement que j'avais chaud de la tête aux pieds. Mm-hmm. J'étais obligée d'allumer ventilateur là pour voir, en tout cas, que je puisse avoir un peu froid parce que j'avais trop chaud. Mm-hmm.
Donc voilà, je rends vraiment gloire à Dieu parce que je sais que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va le terminer. Il va le terminer au fait. Amen. Et Dieu va t'utiliser. Comment? Dieu va t'utiliser. Amen. Amen. Tu es à l'école. Tu es en formation. Dieu va t'utiliser. Amen. Ouais, Dieu va t'utiliser. Tu vas prier pour des gens. Dieu va t'utiliser. Dans le domaine Amen. Prophétique, guérison, tout ça, Dieu va t'utiliser. Ouais. Amen. Ouais. Et le deuxième témoignage, c'est pour mon fils, mon neveu qui est au pays. C'est un enfant qui, en tout cas, je me suis vraiment occupé de lui pendant ses études, tout, et ça fait des années, il n'arrive pas, il dépose les dossiers, il fait tout et tout. Et il n'a même pas, on dit non, il y a telle chose. Mm-hmm. En tout cas, il est toujours récalé, mais c'est un enfant qui a un niveau vraiment. Et il a fait l'action prophétique, allons voir, hein, avec toi. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui s'est passé dans sa vie. Et qui a été, on peut dire. Dieu a beaucoup, comment dire ça, l'a beaucoup délivré. Et on ne l'appelait même pas non plus aussi pour les dossiers qu'il dépose. Et ça fait 2 semaines, apparemment, il est rentré en contact avec toi, il a pris des bouteilles d'eau, tu as prié, tu as béni sur les bouteilles d'eau. Et avant-hier, je l'appelle, il était malade même, et puis tu as prié pour lui, tout. Et puis avant-hier, je l'appelais, j'ai dit, ah fiston, comment on va? Il dit, ah, tante, ça va, mais je vais t'appeler pour te parler. Mais où je suis, je ne peux pas. Et il m'appelle, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avec la bouteille d'eau que le bishop avait. Il dit, non, tante, mais seulement je voulais t'appeler. Voilà, depuis que j'ai vu cette bouteille d'eau, en tout cas, les gens m'appellent partout pour les rendez-vous, tout et tout. Il dit, ah, gloire à Dieu. Il faudrait qu'on puisse t'embaucher au moins un d'entre ces appels-là. On puisse t'embaucher. Donc vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et puis pour ma famille. Amen. Merci. Amen. Il faut lui dire à ton neveu, il faut lui dire de faire un vœu à Dieu. Ok. Il faut lui dire que pendant que tu me parlais, Dieu m'a dit ça. Tu n'as qu'à faire un vœu à Dieu. Pour dire au Seigneur, si le Seigneur l'ouvre, cette porte de travail, ce qu'il veut faire, c'est que Dieu, il ressent dans son cœur, il n'a qu'à faire un vœu à Dieu. C'est entre lui et puis Dieu. D'accord. Deuxième des choses, il faut lui donner un rendez-vous. Il n'a qu'à prendre un rendez-vous. Ouais, il n'a qu'à prendre un rendez-vous. Je vais faire une prière pour lui. Ok. Bah, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux pas, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça ici. Je vais prier pour lui parce que les portes sont en train de s'ouvrir. Et je vais Amen. Prier pour que ça soit vraiment stable. Je vais prier pour Amen. Lui. Amen. Que Dieu te bénisse. Allô? Amen. Merci, papa. Oh, sois béni. Amen. Alors, j'ai dit que c'était le dernier appel, mais il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler encore. Et puis, comme je suis gentil, mais entre nous, si cette personne-là, je la prends, si tu appelles encore, je ne prends pas. Hein, parce que là, le direct est fini. C'est juste. Elle appelait pendant qu'elle appelait. Donc, on va écouter ça et puis on va faire la prière. Voilà. Et puis, c'est fini. Ce n'est pas 5 minutes là qui va nous tuer. On va la prendre. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, papa, je vais rendre témoignage. Vas-y, on t'écoute. Oui, je vais dire merci à Dieu pour ses bienfaits. La dernière fois, je t'avais envoyé vocal pour ça. Bon, j'avais un problème de ventre. Je suis partie à l'hôpital. Ils m'ont dit que bon, c'est fibrome. Vraiment, avec l'eau que tu prises dessus, puis je bois, j'ai vu des trucs tomber. Vraiment, ça m'a fait beaucoup peur. Faut bien t'expliquer. La délivrance. Ma fille. Allô? Allô? Oui, papa. Il faut bien expliquer, tu es un peu trop rapide là, donc on ne comprend pas trop le témoignage. J'ai dit que, parce que ça fait un moment où tu ne faisais pas les directs des témoignages,
Voilà. Mais tu avais prié sur l'eau qu'on a bu. Maintenant, le jour où j'ai bu l'eau là, mon ventre me faisait mal parce que je suis partie à l'hôpital. Ils ont dit j'ai problème de fibrome. Et il y avait deux ou bien trois comme ça qui sont petits, il y a d'autres qui sont déjà évolués. Donc, ils ont demandé à ce qu'on fait opération. Moi, j'ai dit, je ne peux pas accepter que dans ma famille, il n'y a pas ces genres de trucs que je ne peux pas accepter, que je crois que Dieu va faire un miracle. Donc, l'eau que tu as prié dessus, et puis j'ai bu, je suis sortie. En tout cas, j'avais mal. Mon bas-ventre me faisait mal, ça me tournait, tournait. Mais je n'étais pas en mensuie. Maintenant, quand je suis rentrée à la maison, je suis rentrée dans les toilettes. En tout cas, vraiment, les boules qui sont tombées, ça m'a effrayée. Oui, les boules qui sont tombées, ça m'a effrayée. Donc, vraiment, moi-même, j'ai tremblé sur moi. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien, bon, c'est ce qui est là-bas qui attend de descendre. Mais, comment on appelle, depuis ce jour, mes menstrues ne s'arrêtent pas. Ça coule. C'est-à-dire, je ne suis pas en règle, mais ça coule toujours. Donc, je vais dire merci à Dieu. Je sais que c'est la délivrance, mais je veux que ça s'arrête parce que vraiment, ça me fatigue, papa. Je ne peux pas boire des choses qui sont sucrées. Je ne peux pas boire des choses qui sont sucrées. En tout cas, Tu veux que le Seigneur arrête son travail? Si c'est Dieu qui attend le travail, tu veux qu'il arrête. Pourquoi tu veux mais boire? vraiment, papa, là, ça me fait peur parce que là, Pourquoi toi tu veux boire? je suis pas tranquille. Écoute-moi. Pourquoi tu veux boire quelque chose de sucré? Il y a un temps pour tout. Il faut profiter pour jeûner. Ah. Profite de ça là. Tu bois l'eau, puis tu jeûnes. Il faut manger un fruit pendant 21 jours. Déranger Ça, c'est quoi? Le sujet de prière ou bien c'est témoignage encore? papa, vraiment, ça c'est pas témoignage. Bon, faut. Est-ce que tu Non, n'es pas non, d'accord? attends. Le temps a avancé. J'avais dit que je ne prends plus. J'ai fait grâce, j'ai pris ton témoignage. Hein? C'est ce que j'ai dit avant mon direct. C'est ce que j'ai dit avant mon direct. J'ai dit il ne faut pas, il faut t'organiser. Donc, si c'est sujet de prière, contacte la secrétaire. Elle te donne un rendez-vous. Je vais prier pour toi. Papa, je n'ai pas son numéro. Son numéro est épinglé sur Facebook là. Si tu regardes les commentaires, tu vas voir son numéro. D'accord, papa, c'est compris. Voilà. Depuis Ok. que tu es ma fille, tu me suis là. Tu n'as pas nommé la secrétaire. Toi-même, tu trouves ça normal. Papa, j'avais pris, mais mon téléphone a déconné, donc tous les numéros sont partis. Ok, Donc, bon, je vais t'envoyer ça tout à l'heure. D'accord, papa, c'est compris. Merci beaucoup, papa, sois béni. Attends, Et je que n'ai même Dieu pas vous fini. protège. Je n'ai même pas fini de parler. J'ai dit. Ton ventre qui est en train de couler là, le sang qui sort là, faut pas avoir peur. Toi-même, tu dis qu'on t'a dit que tu as beaucoup de fibromes, des petits, des gros, des trucs. Si ça, Dieu est en train de fondre tout ça, puis ça est en train de. Pourquoi toi, tu veux que ça s'arrête? Tu veux te guérir ou bien tu veux être à l'aise? Mais bon, comme ça, il y a longtemps, ça fait quelque chose de 2 semaines comme ça. Même si ça fait un mois même, faut laisser Dieu va faire son travail. D'accord, Tu veux papa. être guéri ou bien tu ne veux pas être guéri? C'est la question que je te pose. Moi, si tu veux que je prie tout sur pour que ça s'arrête, je vais prier. Mais après, il ne faut pas venir dire qu'il y a quelque chose dans mon ventre encore. D'accord, papa, c'est compris. Ah! Je vais être guérie. Le Seigneur n'a qu'à me délivrer, me guérir. Tu dis que ça n'a qu'à s'arrêter. Le mot arrêter, là, c'est ça qu'il ne fallait pas sortir. D'accord, papa, c'est Ah! compris. Il faut prendre vite rendez-vous. Je vais t'envoyer le numéro. Prends rendez-vous. Et quand tu prends rendez-vous, le jour que tu as rendez-vous un mois, il faut préparer des bouteilles d'eau. Je vais prier. D'accord, papa. Tu vas être Ok. totalement guéri. Tu as compris? D'accord. J'ai compris, papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, papa. Sois béni. Ça va aller. Amen. Bon, j'ai dit c'est fini, mais quelqu'un essaie d'appeler encore. Là, je vais respecter ma parole. Sinon, là, je ne respecte jamais ma parole parce qu'il est 23h02. On ne peut plus prendre. Excusez-moi, celui qui a appelé pour rendre témoignage, ça sera mardi prochain. Voilà, là, sincèrement, il faut garder ton témoin au chaud. Il ne faut pas oublier, mardi prochain, il faut venir rendre ton témoignage. Parce que là, il est déjà 23h. Depuis 21h, on est sur direct là. On a déjà fait 2h.
Les gens sont patients, ils m'écoutent, ils sont chez eux, mais demain, d'autres travaillent, ils ont des trucs à faire. Moi-même, là, je n'ai pas encore... Hein? Bon, regardez, ça insiste, hein? Ça insiste. Je fais comment? On va prier. Aujourd'hui, là, il a serré mon cœur un peu. Même si mon cœur est trop bon, là, il a serré ça un peu aujourd'hui. Là. Il a serré ça aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, là, il a serré. Il a respecté un peu ma parole un peu. Mais si elle apprend, cette personne, une autre personne appelle encore. Après, je prends encore. Une autre personne appelle encore. Après, je prends. On va faire veille de prières en direct. Donc, chaque chose. Hein, moi-même, j'ai parlé de l'ordre, de l'organisation, tout ça. Donc, je pense que la personne m'excuse beaucoup. Qu'elle m'excuse. Elle va rendre. Il y a quelqu'un qui dit pardon, Bishop, faut prendre. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Bon, vous êtes combien? S'il y a au moins 5 personnes qui disent faut prendre, je vais prendre. Là, c'est vous qui m'avez dit. Il y a quelqu'un qui dit pardon, Bishop, faut prendre. Mkoye. Mamia, oh, mamia, mamia, mamia. Atia normal, mamia, oh. Bon, la personne même n'appelle même pas sur WhatsApp. Bon, la personne, si elle est là, n'a qu'à rappeler. Mais franchement, nous, c'est la dernière personne. Hein. La personne n'a qu'à rappeler. La personne n'appelle pas sur WhatsApp. Moi-même, je ne peux même pas la rappeler. La personne appelle sur le numéro normal et puis ce n'est pas en France. Donc, la personne n'a qu'à rappeler. Bon, il y a tout le monde en train de me dire pardon, il faut prendre. Bon, ok. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Je ne voulais pas te... Ouais, mais je ne voulais pas te prendre. Le direct est fini. Puis, il y a beaucoup d'avocats. Les gens sont en train de me dire papa, pardon, il faut prendre. Papa, pardon, il faut prendre. C'est pour un témoignage ou bien c'est pour qu'elle te bénisse? C'est pour prier pour moi. Tu as vu ce que tu fais là? On va faire par là. Pardon? Non. On va faire par là. Écoute-moi très bien. On dit direct de témoignage. Avant même de faire le direct, j'ai même gainé un peu pour dire aux gens ce que tu viens de faire là. Je dis aux gens, faut pas faire ça. Toi, tu appelles, on dit direct est fini. On dit que c'est fini. Moi-même, je dis bon, c'est fini, je te prends pas. Tout le monde demande pardon, faut prendre. On croit que c'est témoignage. Et puis toi, tu dis, n'a qu'à me bénir un peu de prière. Oh, c'est pas direct de prière. Pardon, papa. Je suis trop contente. Pardon, papa. Ok, il y a te béni. Après, il faut prendre rendez-vous si tu as des sujets de prière. Je vais te bénir. Comme je t'ai déjà pris, tu me demandes pardon, tout ça, ça me touche le cœur. Hein? Mais papa, pour prendre rendez-vous pour les sujets, pour prendre rendez-vous, j'ai fait comment? J'ai envoyé une notification tout à l'heure. Tu es sur Facebook? Oui, mais si tu es sur WhatsApp, je vais enregistrer tout à l'heure sur WhatsApp. Ok, enregistre sur WhatsApp, je te donnerai le numéro. Ou bien même sur Facebook, il y a un direct. Est-ce que tu es en train de suivre le direct là? Oui. Mais regarde sur le direct, tu regardes, ils ont même marqué le numéro de la secrétaire. Si tu ne vois pas, je vais te donner tout le monde. Je vais te bénir, comme j'ai trop retenu les gens, je vais te bénir et puis faire la prière finale. Mais voilà. Seigneur, je bénis ta fille, je prie au nom de Jésus, éternel des armées. La femme qui perdait le sang a insisté devant la foule et dans la foule pour toucher ton vêtement. Et la Bible déclare que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Je ne sais pas, Seigneur, mais ce que toi tu prévois que tu fais, on ne peut faire autrement. Ce direct n'est pas un direct de prière et c'est la dernière personne qui a appelé. Je ne voulais pas prendre, mais tout le monde m'a dit, prends-la. Et elle demande une bénédiction. Père, je prie que la terre lui soit favorable. Je prie que le ciel lui soit favorable. Je prie que les sujets qui lui tiennent à cœur, pour lesquels, Seigneur, elle a appelé, dès à présent, elle commence à voir les ossements. Je prie, Seigneur, que ton huile coule sur sa vie et qu'à partir de ce contact, Seigneur, son histoire prenne de l'ampleur dans le changement au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
papa. De rien, que Dieu te bénisse. Donc, on fait comme ça. À bientôt. Merci, papa. Non. À bientôt, papa. Non, merci. Mais... Attends, normal, il est comme ça. Oh, pardonnez-moi. Oh. Et dis les choses après. Hein? On va prier. On va faire la bénédiction finale. Je sais que vous ne pouvez pas chanter aujourd'hui. J'ai coupé la musique. Je vais chanter. Alléluia, Hosanna. 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 Je veux te dire merci. Je te dis merci, Jésus. Je veux te dire merci. Je te dis merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, Jésus, pour mon frère. Merci, Jésus, pour ma sœur. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi l'honneur. Seigneur, à toi la puissance. Seigneur, à toi la magnificence. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi l'honneur. Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, à toi la magnificence. Sakabarabolo. Reba Shabarote. Ria Matarabo Shara. Marabololo Sabata. Norobolo Sinara. Rabati korobo setara monota erebesuru. Rababa sedere. Rababa sorobusha. Rababa serebe. Rababa sorobu retarobu sakarabana sikibidigo. Que les anges te louent. Que les séraphins te louent. Que le ciel te loue. Que la terre te loue. Que l'univers te loue. Que chacun de nous, Seigneur, soyons un témoignage pour ta grandeur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es le seul, l'unique vrai Dieu. C'est toi le créateur de cette terre, de ce ciel, de ce monde. Seigneur, quand nous entendons tous ces témoignages, Seigneur, quand nous entendons tous ces témoignages, nous ne pouvons que te rendre la gloire. Nous ne pouvons que bénir ton nom. Je prie, Père, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ton nom soit honoré, encore élevé, encore magnifié, encore exalté. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes ces personnes qui sont là, que ta grâce les environne, que ta puissance les environne, et que, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu rendre témoignage puissent, Seigneur, recevoir encore dans leur vie parce qu'ils n'ont pas eu le temps de rendre témoignage. Et que ceux qui ont rendu témoignage soient encore bénis pour leur témoignage. Je prie, Père, que tu sois honoré pour ce moment que tu nous as donné devant ta face.
Je prie que tu sois glorifié. Et je vais sceller la vie de toutes ces personnes qui ont suivi ce direct. Tous ceux qui vont aussi suivre ce direct après. Je prie que leur vie soit scellée de ta gloire. Je prie que leur vie soit scellée de ton onction. Je prie que leur vie soit scellée de ta puissance. Père, dans le nom puissant de Jésus, remplis-les de ta gloire. Remplis-les de ta puissance. Étonne nos ennemis. Étonne nos adversaires. Étonne ceux qui croient que nous perdons notre temps. Étonne ceux qui se moquent de nous. Étonne ceux qui nous montrent du doigt. Étonne ceux qui en veulent à notre vie. Étonne ceux qui ne croient pas en toi. Et qui ne croient pas que tu es Dieu, que tu peux le faire. Étonne-les. En continuant à nous bénir. En continuant à nous élever. En continuant à opérer les miracles dans nos vies, je prie, Seigneur, que ce moment soit scellé par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voulais dire une petite parole à mes frères musulmans avant de terminer de couper mon direct. Je vais dire une parole à mes frères musulmans. Vous n'avez jamais vu un chrétien rentrer à la mosquée, aller se moquer des musulmans. Quand des imams font des directs pour prêcher sur Facebook, vous ne voyez jamais un chrétien aller mettre tête de mort, aller mettre des émoticônes pour se moquer ou pour dire quoi que ce soit. Vous ne voyez jamais un chrétien aller laisser un commentaire d'injure sur le direct d'un imam qui est en train de prêcher. Si toi, tu peux venir laisser des commentaires pour insulter un pasteur, de menteur, de comédien, de voleur, pendant qu'il est en train de prêcher, tu es musulman. Si tu veux écouter la parole est pour tout le monde. Tu es le bienvenu. Mais si tu viens perturber la prière des gens qui sont en train d'invoquer Dieu, c'est que tu es un faux musulman, tu es un mécréant, tu es un satanique. Tu n'es pas un vrai croyant. On ne va pas dans un endroit où les gens prient pour aller semer la perturbation. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas écrit dans ton Coran. C'est que tu dis que tu es musulman, mais tu es plus que le shaitan lui-même. Et quand tu viens dire à un pasteur qu'il est voleur, il est comédien, il est menteur, et tes imams, tu ne sais pas qu'il y a des imams pédés? Tu ne sais pas qu'il y a des imams qui se font enculer? Non, excusez-moi, je vais vous dire ça aujourd'hui. Tu ne sais pas qu'on a même des vidéos où musulmans en train de se faire enculer par un chameau et par un chien? Tu as déjà vu un chrétien qui est venu parler de ça? Il n'y a pas d'imam voleur. Les imams fétichés avaient plein de gris attachés alors qu'ils disent qu'ils croient en Dieu. Il n'y en a pas. Les imams qui ont des gris, des fétiches sur tout leur corps, et puis ils se mettent vendredi, ils font Allah Akbar, alors qu'ils disent qu'ils croient en Dieu et la confiance en Dieu. Est-ce que tu as déjà vu des chrétiens venir se mêler de leurs histoires? Pourquoi toi, tu es musulman? Les gens sont en train de prier. Ce n'est pas ta religion. On ne t'a pas invité. Tu veux, tu viens, tu écoutes. Tu veux, tu écoutes. Si ça te, c'est pas ton truc. Tu passes tranquillement, tu les laisses tranquilles. Mais tu viens, tu laisses des commentaires d'injures. Tu laisses des émoticônes. Et puis tu es un comédien, tu es ceci. C'est ton père qui me donne à manger. C'est ta mère qui me donne à manger. Excusez-moi, hein. C'est pas injure, c'est question. C'est pas injure, hein. C'est juste question. Je pose des questions. Est-ce que tu m'as déjà vu chez toi pour t'escroquer? Je t'ai déjà dit un jour de m'envoyer l'argent. J'ai déjà bouffé 5 francs chez toi. Je t'ai même demandé de venir suivre mes directs. Est-ce que je t'ai demandé même de regarder ma page même?
Pourquoi tu ne me bloques pas? Comme ça, tu ne me vois plus jamais. Pourquoi tu ne me bloques pas? Comme ça, tu ne me vois pas. Donc, ces provocations inutiles, arrêtez-les. Parce que vous dites que vous êtes des croyants. Vous faites le carême. Vous êtes là, vous priez matin. Vous priez à midi. Vous priez le soir. Mais vos comportements sont pires que des comportements de porc, de mouton et de chien. C'est quel Dieu vous priez? Vous croyez qu'il suffit d'aller à la mosquée le vendredi pour dire Allah Akouba? Est-ce que vous croyez qu'il suffit d'aller le vendredi à la mosquée pour dire Allah Akouba et puis vous êtes sauvé? Mon frère, tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller à l'enfer. Tu n'as pas Dieu dans ta vie. Ton corps, ton cœur est sale. Ta vie est sale. Tes pensées sont sales. Tu ne peux pas aller dans un endroit où des gens prient pour aller laisser des injures de comportement. On ne parle pas de politique ici. On ne parle pas d'autre chose. C'est Dieu qu'on a prié. C'est des commentaires, des témoignages qu'on écoute. Tu ne peux pas venir mettre des émoticônes bizarres et puis mettre en même temps, tu es un comédien. Je suis comédien, c'est toi qui me payes. Il faut que vous arrêtez ça. Vous allez faire, j'ai fait un direct sur vous. Vous allez faire, j'ai fait un direct sur les faux musulmans. Vous allez faire, je vais préparer un direct sur les faux musulmans. Parce qu'il y a de bons musulmans. Mais les faux, là, qui ont tous les noms de Boukari, Mamadou, Bakari, tant, des petits voyous, des petits voleurs comme ça, là, drogués. Tu vas faire la Wakuba, après tu prends drogue. Tu vas faire la Wakuba alors que tu voles, tu casses maison des gens la nuit. Tu vas faire la Wakuba alors que tu prends machette pour aller découper ton prochain. Dieu t'a dit dans la Bible, il faut voler. Dieu t'a dit dans la Bible, va insulter ton prochain pour rien. Dieu t'a dit dans ton Coran, là. Dieu t'a dit dans ton Coran, va aller découper tes frères et soeurs pour rien. Vous croyez que Dieu n'est pas ici, non? Vous venez insulter les gens. C'est malédiction que vous venez chercher. Vous venez pour maudire votre propre vie. La vie de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre famille. Quand tu ne connais pas un homme, tu ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu. Tous les témoignages que tu as entendus ici, là, tu as vu que Dieu travaille pour des gens à travers ce monsieur. Et puis tu viens insulter la personne, c'est la malédiction qui est venue s'aimer dans ta vie. Toi-même, tu t'es maudit tout seul. Voilà. Donc je voulais leur dire ça. Respectez les gens. Vous avez compris? Les chrétiens respectent les musulmans. Les chrétiens ne vont pas créer des problèmes aux musulmans. Les chrétiens ne vont pas sur le direct des musulmans pour aller laisser des commentaires bizarres. Les chrétiens ne vont pas pour injurer les imams sur leur direct. Donc ne venez pas emmerder les pasteurs. Ne venez pas emmerder les chrétiens quand ils sont en train de prier. Vous n'avez pas le monopole de Dieu. Dieu là, ce n'est pas pour vous. Dieu là, c'est le créateur de l'humanité. Vous avez compris? Ne vous croyez pas toujours au-dessus des autres. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des êtres humains qui sont nés d'une femme qui vont mourir plus tard. On est tous de passage. Dieu seul est saint et éternel. Respectez les gens. Si vous cherchez vos malédictions, allez-y ailleurs. Ne venez plus sur mes directs. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Il fallait que je dise ça parce qu'il y a des petits impolis mal élevés, très mal élevés. Leur papa frappe leur maman matin, midi, soir. Leur papa a 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes. Eux-mêmes là, ils passent leur temps à boire dans les bars dès qu'ils sont musulmans. Ils boivent coutoukou, ils font tout, ils volent, ils violent, ils font tout. Pourtant, ils disent qu'ils sont, ils croient en Dieu. Ils n'ont aucun respect pour tout ce qui est sacré et qui viennent s'asseoir pour laisser. Quand c'est mes directs de prière, là, je n'aime pas qu'on joue avec. Vous laissez les commentaires sur les directs de qu'on parle de politique, bien tout ça, je regarde, je passe. Mais mes directs de prière, quand je suis devant mon Dieu, quand je viens
pour des actions, des prières comme ça, ne venez pas vers moi parce que je vais vous maudire. Voilà. Je vais te maudire. Je vais prendre ta photo et puis je vais faire des actions. Tu crois que ton marabout est plus fort que moi? Tu crois que tes fétichés sont plus forts que moi? Donc, il faut venir t'amuser. Je vais prendre ton image, ta photo, je vais mettre sur mon hôtel de prière ici. Je vais te montrer que mon Dieu existe. Je vais te maudire. Plus rien ne va marcher dans ta vie. Jusqu'à ce que tu demandes pardon. Méfiez-vous, hein. Ne jouez pas avec les gens. Où je suis assis là? Je suis plus que fétiche. Je suis plus que tes marabouts, tu as peur d'eux là. Faut pas jouer avec les gens. Tu me vois simple comme ça là. Tu sais pas ce qui se trouve en moi. Voilà. C'est un avertissement. Le prochain n'a qu'à venir encore. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. Au revoir.